Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la ville de Saint-Colomban. Nous sommes le 13 septembre 2022, il est 19h. La séance est ainsi ouverte. Mon nom est Xavier-Antoine Lalande, je suis le maire de la ville de Saint-Colomban. Je suis accompagné d'un conseil municipal qui est amputé d'une seule membre ce soir. Donc, et ce n'est pas Madame Lapointe exactement. Donc, quelques petites nouvelles avant de débuter et de poursuivre avec l'ordre du jour. C'est une petite séance ce soir, le 32 points où le conseil aura besoin de se prononcer. Je veux d'abord vous annoncer la tenue d'un débat dans le cadre des élections provinciales. C'est un exercice que nous faisons depuis 2018, je crois. Donc, ce sera le quatrième organisé par la ville de Saint-Colomban, le deuxième dans le cadre d'une élection provinciale. J'aurai encore le plaisir de l'animer. L'exercice, je pourrais le répéter là, le 20 septembre prochain, car c'est la date de 19h30 à 21h30. Ce sera précédé d'un épisode où nous avons mobilisé les différentes classes de sixième année sur le territoire des écoles participantes. Donc, les classes de sixième année vont préparer des questions à poser aux candidats de 18h30 à 19h. Donc, les jeunes vont pouvoir venir poser des questions directement aux candidats aux élections provinciales, dans le but, évidemment, là, de les intéresser au débat politique et la position, à leur position à prendre dans une société. Donc, on est très, 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 très fiers de mobiliser les écoles et de stimuler la participation à la démocratie municipale. Donc, ça va être diffusé, évidemment, ça va être web-diffusé en ligne le 20 septembre prochain, mais ça va aussi être ouvert au public. Je pense que ça a été annoncé aujourd'hui, Mme Saint-Pierre-Desjardins, sur les réseaux sociaux. Donc, on prévoit environ 75 places. On ne demande pas nécessairement de réserver à l'avance, là, mais si vous voulez participer, ce serait chic d'aviser la ville. Comme ça, s'il y a une grande participation, ben, on sera en mesure de s'adapter. Ça va être pour ceux qui ont déjà assisté ou écouté le débat. Là, on risque d'avoir 6 candidats, si je ne m'abuse. Donc, d'une durée de 2 heures, c'est un exercice qui est quand même assez important. Le porte-à-porte est difficile à faire dans des élections provinciales et fédérales. Hein. C'est difficile d'avoir accès aux candidats. Donc, c'est un exercice pour lequel nous estimons que les efforts en valent la peine parce que ça permet vraiment à la population de se faire une idée des gens qui se présentent aux élections. Là. Ce sont normalement plus qu'une pancarte. Hein? Ils ont des choses à dire, ils ont une personnalité. C'est intéressant de les voir répondre aux questions puis de mesurer à quel point ils sont à l'aise dans les positions qu'ils défendent aussi. Donc, c'est le 20 septembre et l'élection, évidemment, c'est prévu le 3 octobre. Je vais faire une petite mise à jour aussi sur les deux gros chantiers en cours. Évidemment, il y a la montée Saint-Nicolas entre Saint-Paul et Filion. Là, aux dernières nouvelles, la grosse machinerie était sur Filion. Les travaux sont toujours prévus fin octobre. On respecte l'échéancier. Là, ça va quand même très bien. Les relations sont très bonnes avec l'entrepreneur. Et ça me permet, évidemment, de faire un rappel à la courtoisie. Ce ne sont pas des travaux faciles dans la mesure où les détours là, sont effectués dans des quartiers résidentiels qui sont habitués d'être paisibles. Là. Tu sais, je pense à la rue des Érables, à la rue Doris. Là, c'est quand même des quartiers très, très calmes, reculés. Mais là, on fait bifurquer 6000 véhicules dans ces rues-là actuellement, Albert Raymond aussi. Donc, c'est important d'être courtois, je pense que de respecter les autres, de faire preuve d'altruisme dans une période aussi, je dirais, tumultueuse là, sur notre réseau routier. Puis c'est un des premiers chantiers, là. On en envisage d'autres aussi. On a quand même des grands travaux qui s'en viennent dans les prochaines années, puisque le réseau routier n'a jamais été principal. Le réseau routier principal n'a pas été pris en charge beaucoup dans les dernières années. Qu'on veut l'ajuster à la hauteur de la population de la ville de Saint-Colomban. Pour ceux qui ne le savent pas, on a franchi 18 000 personnes en 2022. Donc, mais le réseau routier est le même qu'en 1904. Donc, il faut évidemment donner de l'amour. Évidemment, Saint-Nicolas aussi, on a refait les fondations pour ceux et celles qui empruntent souvent cette section-là. Saint-Paul, Saint-Nicolas, c'était extrêmement fragile. Il n'y avait pas de fondation, donc on s'en va excaver le plus possible, là, le plus creux qu'on peut, juste avant d'atteindre le roc, pour finalement générer une structure de rue là, qui ne permettra pas la création de nids de poules ou d'autres oiseaux plus grands à chaque année. L'autre projet, le terrain de baseball,
Prévu pour novembre, on est moins stressé hein, pour ce projet-là, étant donné que les délais sont moins importants. Évidemment, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de ligue qui va se monter au mois de novembre. Donc, ça va quand même très bien là, pour ceux qui ont la chance de passer devant le secteur, là, en face de l'école La Volière. C'est un terrain très spécial à Saint-Colomban. Là. Je ne sais pas pour ceux qui ont la chance d'y passer. Là, on est dans une sablière. Là. C'est un sable de plage qui est sur ce terrain-là. C'est vraiment exceptionnel. C'est parfait pour l'implantation d'un terrain de baseball. Là. Ça va être une structure assez incroyable. Puis il va être vraiment entouré, envoûté, j'ai envie de dire, là, par la forêt autour. Ça va être magnifique. Par contre, on s'est fait voler la semaine passée. Il y a des gens qui ont défoncé la roulotte, qui sont partis avec des bottes de travail usagées. Le dossard de notre employé avec son nom dessus, ses notes de surveillance, puis il y a son crayon aussi, son crayon d'ingénieur finalement. C'est un peu niaiseux. Mais si jamais vous voyez de l'activité qui se passe dans les heures hors travail, là, bien, ce serait intéressant de le souligner ou de contacter la police. Là. On s'attend à ce que la population soit participative avec nous là-dessus. Ensuite, j'ai eu un bilan de la collecte de branches. Là. Actuellement, ça nous a coûté plus de 25 000 $ en contrat externe. Ça n'inclut pas notre temps de travail, là, nos hommes à l'interne. Donc, on est à 25 000 $ seulement à se débarrasser des branches qui traînaient sur les terrains. La direction des travaux publics a calculé que ça incluait 26 jours à temps complet de nos équipes. C'est quand même assez important. Ça, 26 jours, là, ces gars-là, ils travaillent 4 jours semaine à 10 heures par jour. Donc, c'est pratiquement 6 semaines et demie, tu sais, de mobilisation d'hommes. Donc, c'était quand même un exercice, là. Je pense qu'il y en reste un peu, là, mais je veux les saluer. Là. Ils ont fait quand même un travail exceptionnel dans les circonstances. Vous comprenez que ce n'est pas des tâches qui étaient prévues en début d'année. Là, tu sais. On a l'entretien des fossés, on a de l'élagage à faire normalement. Chose aussi qui a été négligée dans le passé, l'élagage, là, l'entretien des fossés puis tout ça. Donc, il a fallu ajouter ça à la tâche, plus l'entretien des chemins, les nids de poules, blablabla. Donc, moi, je veux féliciter ces équipes-là là, qui ont travaillé quand même sans relâche. Puis, tu sais, vous l'avez vu, vous le savez, ce n'était pas une tâche urgente, mais c'était des choses qui étaient sur la liste puis qu'il fallait faire, qu'on était capable de placer dans les semaines de travail. Ça fait le tour de ce que moi, je voulais annoncer ce soir. Donc, ça m'amène à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, comme j'ai dit, il y a 32 points. Pas d'ajout, donc c'est un ordre du jour tel que présenté. Est-ce que quelqu'un le propose, s'il vous plaît? Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, Mme Wilson. En suivi, j'avais répondu à toutes les questions séance tenante. Donc, ça nous amène tout de suite à la période d'intervention des élus. Monsieur Urbain, est-ce que vous voulez intervenir ce soir? Mme Wilson? Non. Non plus. Mme Derèche? Oui. À vous le micro. Oui, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde aussi à la maison. Vous êtes invités jeudi cette semaine de 18h à 19h30 à venir rencontrer Mme Agnès Grondin, députée sortante de la CAQ. Elle désire rencontrer les citoyens et voir si vous avez des questions à poser et aussi elle va vous présenter, évidemment, son mandat, qu'est-ce qu'elle a fait et ses engagements pour l'année prochaine. Fait que ce jeudi de 18h à 19h30, vous êtes invité, ça va être au centre récréatif pendant le marché public. Merci. Merci, Mme Derèche. Mme Mercier. Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, je vous parle du brunch du nouveau citoyen. Donc, la date a été modifiée. Ça va être le 8 octobre. De 10h à 11h, ça va être un brunch. Donc, vous allez pouvoir venir voir les différents services de la ville, parler à vos conseillers. Et ensuite, de 11h à midi, si vous voulez faire un tour d'autobus avec gracieuseté du maire qui sera là pour vous faire une visite guidée de la ville, ça va être vraiment bien. C'est une heure? Oui, de 11h à midi. Ça va sûrement durer plus que ça. Ça se pourrait, oui, te connaissant. Puis, s'il y a de la pluie, ça aura lieu à l'intérieur du centre récréatif et c'est sur inscription. Donc, vous pourrez vous inscrire à loisirs@commercial.saint-colomban.qc.ca. Et ensuite, je veux vous parler aussi, il y a des gens qui se posaient des questions sur les loisirs de la ville. Mais vous avez, à la fin du Colombanois, le guide des loisirs juste ici. Donc, il y a une section pour les 50 ans et plus, une section pour la culture, mise en forme et les sports.
Donc, beaucoup de détails dans le guide des loisirs. Merci. Oui. Merci beaucoup, Mme Mercier. J'entendais des commentaires positifs sur l'édition du Colombanois, donc ça nous fera plaisir de le transmettre à l'équipe. Karine Saint-Pierre-Desjardins a entendu. On pourra transmettre le tout aussi à Émilie Sénécal et à Mathieu Douville. Bien ça? J'ai eu un blanc angoissant. Je me suis pas trompé. Mathieu, qui est notre graphiste, hein, qui est aussi photographe, fait que souvent les photos qui se retrouvent là, c'est issu de son travail. Fait que super travail là, de la part des coms. Madame Gravel. Alors, bonsoir. C'est simplement pour vous informer que le CAPRDN, qui est le Centre d'activité physique de la Rivière-du-Nord, est à la recherche d'administrateurs pour leur CA. Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae avant le 23 septembre à la directrice directement, qui est Mme Joanne Hamel, et l'adresse courriel est jhamel@commercial.caprdn.ca. Bonne soirée. Merci, Mme Gravel. Mme Scriven, maintenant. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, de mon côté, j'aimerais vous parler, vous inviter à notre deuxième édition du Carrefour créatif, le 3-2-3, qui aura lieu le 1er octobre de 10h à 16h au Parc Fellan. Donc, venez rencontrer artistes et artisans locaux. Puis ensuite, vous parler d'une exposition « L'heure mauve » de Nicolas Parti au Musée des beaux-arts. Donc, une activité qui est organisée par la bibliothèque de Saint-Colomban qui aura lieu le 23 septembre de 9h15 à 14h et elle est gratuite pour les résidents de Saint-Colomban. Donc, pour vous inscrire, allez sur le site de la ville à la bibliothèque. Merci beaucoup. Donc, c'était une activité avant pandémie qui était très, très, très courue, très, très, très populaire, la visite des musées aux Beaux-Arts, Musée contemporain à Montréal aussi. Donc, vous vous réunissez à un endroit précis. Normalement, c'est l'Hôtel de Ville, ça peut être la bibliothèque aussi, je ne sais pas si c'était lequel des deux. Mais vous embarquez en autobus, on vous amène directement à Montréal, puis vous avez la visite payée par la Ville de Saint-Colomban. C'est bien ça? Oui. Madame Lapointe. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Karine, en arrière, au com, tu vas voir qu'il y a un petit ajout dans mes points. Je ne veux pas te mélanger, mais je vais essayer d'y aller dans l'ordre et ensuite, je vais y aller avec ceux qui ne sont pas à mon ordre du jour. Donc, on a un appel aux marchands agroalimentaires et aux artisans pour notre marché de Noël. Cette année, la parade de Noël revient samedi le 10 décembre. Et puis, donc, on aura un marché de Noël la même journée. Alors, on fait un appel justement à nos marchands et à nos artisans pour le marché de Noël. La date limite pour vous inscrire, c'est le 28 octobre, donc dans un mois. Et puis, sur le site, là, vous allez avoir l'adresse exactement où aller vous inscrire pour ça. Ensuite, encore concernant le défilé de Noël, si vous voulez faire partie du défilé, on a eu des demandes dans les années passées, donc on ouvre la porte à nos citoyens. Si vous voulez faire partie du défilé de Noël avec votre propre char allégorique, on offre la possibilité de monter votre propre char et de venir parader avec nous. C'est toujours une belle journée. Donc, la date limite d'inscription est le 30 septembre. Ça s'en vient. Et puis, il faut faire ça par courriel à loisirs@saintcolomban.qc.ca. Parce qu'on a quand même des normes là, à respecter pour les chars allégoriques. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, bien, vous êtes plus que la bienvenue. Ensuite, y avait-il une question, M. Urbain? Non. Non? Ensuite, à travers les autres points, parce qu'on a une collègue qui n'était pas ici, qui est responsable de la bibliothèque, puis il y a une couple de points que j'avais vus qui n'avaient pas été notés. L'exposition « Temps libre, glandé de Chili » à la salle d'expo de la bibliothèque, c'est jusqu'au 21 septembre. Et le marché public version automnale est encore disponible, c'est pas fini. On dirait que l'automne est arrivé puis qu'il n'y a plus de marché public, mais il y en a encore jusqu'au 6 octobre. Donc, on vous rappelle que si vous voulez commander de la pizza pour pas avoir à faire à souper, elle est super bonne. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour commander votre pizza en ligne et vous la ramassez jeudi au marché public. Donc, jusqu'au 6, il y aura marché public si. Ben, beau temps, mauvais temps, en fait, maintenant. Alors, puis dernier petit point.
Tantôt, M. le maire a parlé des équipes de champions qui ont travaillé à ramasser les branches et tout ça. Je suis allée faire un tour à l'éco-centre cette semaine, puis là, c'est le temps des vivaces et tout ça pour l'hiver. Il y a énormément de compost et de paillis. D'où là le lien avec les employés qui ont travaillé fort. On a beaucoup, beaucoup de paillis, du beau paillis à part ça. Donc, s'il y en a qui en veulent, c'est gratuit à l'éco-centre. Vous apportez vos chaudières, vos bacs Rubbermaid, vos sacs à poubelle. Les pelles sont sur place. Apportez votre pelle, vos gants. Vous pouvez vous remplir de compost et de paillis sur place. C'est tout pour moi. Merci, Mme Lapointe. Ça nous amène au point 2.1.3. Période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée à l'Assemblée, aux gens à la maison, sur la tenue exclusive des sujets de l'ordre du jour afin de vous permettre de vous exprimer avant la tenue de vote. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Bonsoir. Non, aucune question. Merci. Évidemment, il y a toujours une période de questions à la fin de l'Assemblée. Et la période de questions à la fin traite de tout sujet d'ordre public. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de juin 2022. La rencontre s'est tenue le 27 juin dernier. 2.1.5, dépôt et approbation du deuxième rapport du budget révisé 2022 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Donc, deuxième rapport, souvent, c'est suivant l'analyse de la SHQ, donc la Société d'habitation du Québec. Ils font des modifications. Évidemment, Saint-Colomban assume 10 % du déficit. Donc, ça arrive souvent qu'il y a des modifications. Donc, celle qui nous concerne, ce serait d'approuver le deuxième budget révisé et d'émettre un paiement au montant de 200 $ représentant la contribution de la Ville, soit 10 % du déficit des prévisions budgétaires révisées au budget 2022, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au poste budgétaire 02-520-00-963. Donc, c'est une révision de 2000 $ Évidemment, on paye 10 % 200. Qui propose? Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité... Ah! Je vais tourner la page. 2.1.6. Oui. Ah, mais non, il y avait approbation aussi. Création et nomination du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Donc, c'est une exigence qui découle de la loi sur l'accès et qui suit aussi la fuite de données qui s'est passée chez Desjardins. Le gouvernement provincial demande finalement aux organismes publics de s'ajuster et de créer un comité et des procédures dans une perspective où il y aurait fuite de données ou attaque là, au niveau de la cybersécurité, au niveau des organismes publics. Évidemment, une ville a un lot d'informations personnelles là, qui concernent sa population. Donc, il faut créer un comité, puis ce comité-là aura le mandat de déterminer des procédures, déterminer une façon de faire aussi si jamais il y a une fuite de données. Là, il y a des obligations pour les villes de respecter les étapes là, dans l'éventualité où il y aura une fraude ou une fuite de données. Donc, il est proposé de créer le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Que la composition du dit comité est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que les rôles et mandats du dit comité sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. C'est un comité administratif, donc c'est seulement des employés de la Ville de Saint-Colomban. Il n'y a pas d'élus là-dessus. Là. C'est vraiment pour monter des procédures. Donc, en pièces, là, il y a la composition, là, les membres. Je pense qu'il y a la directrice générale, le greffier, la trésorière. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Consultant informatique, exactement, celui qui a le contrat chez nous, là, qui est CBM Informatique. Qui propose? Isabelle Lapointe, je propose. Merci, Mme Lapointe. 2.1.7, nomination d'un substitut au sein du comité de maintien de l'équité salariale, considérant la création du comité de maintien. Concernant la nécessité de nommer un substitut au dit comité, il est proposé de nommer M. Guillaume Laurent-Taillefer, avocat et greffier au sein du comité de maintien de l'équité salariale. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Scriven. Merci beaucoup. 2.2.1. Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en août 2022. La séance s'est tenue le 9 août 2022. Donc, il n'y a pas de modification. C'est approuvé tel quel. Est-ce que quelqu'un le propose? Oh. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport de dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 août 2022. Ça représente un montant de 773 009 $ et 91 sous. Ça fait référence au chèque numéro 33-236 à 33-318. C'est un dépôt.
2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer. Le montant est 892 394,28 $. Ça fait référence au chèque 33319 à 33505 et ça permet d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. Qui propose? Christian Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.1. Dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 2 août au 6 septembre 2022. Donc, dans ce rapport, il y a deux embauches, un poste aux travaux publics, un poste à la bibliothèque. Il y a un congé sans solde au service des incendies et il y a 71 fins d'emploi. Évidemment, ce sont pour la plupart les moniteurs de camp de jour. Et il y a trois fins d'emploi, notamment la directrice du service des loisirs et probablement surveillant et un pompier, si je me rappelle bien. C'est un dépôt. 2.4.2, fin de la période d'approbation, capitaine aux opérations. Donc, M. Maxime Lasselle a été nommé le 7 mars dernier, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Lasselle a atteint les objectifs fixés à son engagement, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie de la Direction générale, il est proposé de mettre fin à l'approbation du dit monsieur et de confirmer le statut d'employé cadre permanent. Est-ce que quelqu'un propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup. 2.4.3. Oui, Émilie m'avait averti que la fin de la période d'approbation était accompagnée d'un gif. Donc, directrice du service des communications. Donc, évidemment, le service des communications récolte son lot de commentaires positifs depuis quelques semaines. Eh bien, la tête de ce service met son destin en jeu ce soir. Donc, considérant que la résolution numéro 6803-2022, la Ville a procédé à l'embauche de Mme Émilie Sénécal à titre de directrice du service des communications, et ça à compter du 8 mars 2022, qui était le jour international de la femme, du droit des femmes, pardonnez-moi, selon les termes établis par le politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville, considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, Mme Sénécal a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Considérant la recommandation de la Direction générale, il est proposé de mettre fin à la période d'approbation de Mme Émilie Sénécal et de confirmer le statut d'employé cadre permanent. Donc, vous avez un nom derrière la Wiz, la magicienne du service des communications, qui est très appréciée aussi à l'intérieur de son service. Donc, qui propose? Angela Scriven, je vais le proposer. Merci beaucoup, Mme Scriven. Il y a une petite rivalité ici, là, Mme Darache, Mme Scriven. Très intéressant ce soir. 2.4.4, embauche d'un directeur au service du développement social et des loisirs. Donc, considérant que le poste de directeur du service du développement social et des loisirs sera vacant à compter du 23 septembre 2022. Considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la direction générale recommande de nommer M. Mathieu Bouffard à ce poste. Mathieu nous avait fourni des photos aussi, donc un adepte de plein air. Nous sommes très, 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 très excités à le voir intégrer l'équipe de la Ville de Saint-Colomban. Donc, il est proposé d'embaucher M. Bouffard à titre de directeur du service du développement social et des loisirs à compter du 3 octobre 2022, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 3, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Évidemment, la résolution est conditionnelle à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Donc, on a recruté un candidat qui vient du Nord. Nous en sommes bien heureux. Adepte de plein air, de transport actif, vélo, course. Donc, il va amener quand même une énergie, là. Il a fait quand même une unanimité à l'entrevue. Et il vient ajouter un lot de compétences là, qu'on n'avait pas nécessairement à l'intérieur de l'équipe, là. L'équipe est très, très, très performante, là. Mais Mathieu amène un volet plein air qui va ajouter là, vraiment à des priorités qui sont chères au sein du conseil municipal. Et je pense que c'est le temps de le faire, là. Donc, il va avoir quand même un bon mandat et on lui souhaite la bienvenue, mm-hmm. à condition que quelqu'un d'entre vous propose son embauche, évidemment. Il vous écoute, je crois. Daniel Derèche va proposer. Merci, Mme Derèche. Donc, 3.1, dépôt du procès-verbal, comité consultatif d'urbanisme du mois d'août 2022. La rencontre s'est tenue le 30 août dernier. C'est un dépôt.
3.2, dépôt du résultat des soumissions, enfouissement des matières résiduelles non compostables. Monsieur Laurent Taillefer, voulez-vous vous exprimer à ce sujet? Donc, nous n'avons pas reçu de soumission dans le cadre de cet appel d'offres publiques. Okay. Et nous retournerons en appel d'offres publiques demain, le 14 septembre, exact. 3.3, autorisation de signature d'un acte de servitude sur une partie du lot 3 353 586 du cadastre du Québec. Montée de l'église. Considérant l'intérêt de la Ville d'assurer la pérennité du sentier de ski de fond existant sur une partie du lot 3 353 586 du cadastre du Québec. Donc, il est dernier mois. Ici, on a le cadastre de rue de la montée de l'église. Donc, c'est au nord, évidemment, de Côte-Saint-Paul. Considérant la mention à la résolution 125-04-2022 à l'effet que la signature d'une servitude pour le maintien de la piste de ski de fond est une condition à l'approbation d'un projet intégré d'habitation sur le lot précédemment nommé. Considérant que le promoteur considère la présence du sentier comme un atout supplémentaire pour le développement de son projet, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet effet, d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à procéder à la signature d'une servitude pour la piste de ski de fond sur une partie du lot précédemment nommé, telle que montrée la description technique préparée par Pierre-Olivier Morin, arpenteur géomètre en date du 12 août 2022, sous la minute 22-32, dossier AV-142-1. Les frais inhérents à l'acte notarié sont aux frais du promoteur. Donc, c'est un sentier qui est déjà existant, donc qui bénéficiait souvent d'ententes avec les propriétaires. Là, il y a eu un changement, il y a eu un achat là, de la part de ce propriétaire-là. Puis, il a déposé un projet intégré, là, c'était conforme au permis, c'est surmonté l'église. Ça permet un peu de venir profiter de l'ampleur de du terrain sans affecter le milieu humide. C'est beaucoup, c'est très, très normé, les projets intégrés dans le schéma d'aménagement puis dans nos règlements municipaux. Donc, c'est une entrée, finalement, qui appartient aux résidents, puis ils sont capables ensuite de placer des maisons. Mais il faut que ça corresponde à différents critères. Les critères sont atteints, mais ce qu'on avait émis à l'époque comme condition, c'était de dire, bien, si vous voulez développer ça, vous allez nous pérenniser cet accès-là. Comme ça devient, finalement, une acquisition permanente de la ville de Saint-Colomban. C'est une servitude, pardonnez-moi. Donc, c'est une servitude perpétuelle. Donc, la ville de Saint-Colomban pourra bénéficier, finalement, là, de la pérennité du sentier de ski de fond, puis c'est un souhait là, pour nous, parce que souvent ces sentiers-là étaient développés sur des terrains privés, qui bénéficiaient d'une entente, je dirais, d'une convention. Là, c'est pas signé nulle part, mais tout le monde est d'accord. Là, ça nous permet vraiment de garantir l'existence d'une partie de ce sentier-là. Puis évidemment, bien, l'intention du conseil municipal, c'est de travailler dans la même optique pour préserver l'intérêt et l'intégrité des sentiers qui existent déjà. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.4. Est-ce que vous voulez présenter le point, Mme Doré? Oui, tout à fait. En fait, ici, il s'agit de l'affiche qui est ici en avant de l'Hôtel de Ville. On s'est penché sur ce dossier à l'urbaniste et ça va comme suit. Plan projet d'installation d'enseigne. Conformément au règlement numéro 608 concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale Hôtel de Ville. Considérant la demande de certificat d'autorisation pour une enseigne sur socle en face de l'Hôtel de Ville situé au 330 montée de l'église, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608 tel que demandé concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. On voit le plan, OK. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif de Saint-Colomban, conditionnellement à un éclairage en col de cygne soit intégré à l'enseigne et que la toponymie du mot saint soit aussi de la même couleur que le mot colomban. Il a demandé d'accepter sans condition les plans relatifs à la demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne sur socle en face de l'hôtel de ville situé au 330 montée d'église, le tout tel que montré au plan préparé par Bélanger Design Limité, daté du 1er juin 2022, numéro du projet 21-82-81, et ce, conformément au règlement numéro 608 tel commandé sur le PIIA. Il a demandé aussi d'autoriser le service d'aménagement environnement et urbanisme à émettre des certificats d'autorisation à cet effet et de mandater le service de communication afin d'explorer la possibilité d'éclairer l'enseigne là, comme demandé au comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais proposer Daniel Doreche. Merci, Mme Doreche.
3.5, session du puits PP 2013-01, située sur le lot 3 857 755 du cadastre du Québec. La rue Albert-Raymond, c'est un puits qui est situé sur le même terrain que le parc Albert-Raymond, donc l'intersection Albert-Raymond est désirable. Considérant la résolution 470-12-19, donc décembre 2019, autorisant l'accès à l'entreprise construction Cholette-Beauvin au puits PP 2013-01, situé sur le lot précédemment nommé, appartenant à la ville, c'est dans le cadre de son projet résidentiel avec service d'aqueduc, projet résidentiel qui ne se fera pas parce que nous avons négocié la réalisation du projet sans aqueduc. Considérant que l'entreprise Construction Cholette-Beauvin a signé avec la ville le protocole d'entente PE 2021-CHOL-01 concernant le prolongement des rues Sylvain-Séguin et que ce projet résidentiel ne se fera finalement sans aqueduc. Considérant que l'entreprise Construction Cholette-Beauvin souhaite que la ville reprenne le puits, considérant l'intérêt de la ville à conserver le puits, notamment en raison du potentiel que présente ce dernier afin d'assurer un approvisionnement adéquat pour le réseau d'aqueduc Bédard, considérant que l'entreprise Construction Cholette-Beauvin a transmis à la ville le rapport d'expertise hydrogéologique produit par la firme AGEOS relativement à l'exploitation du puits PP 2013-01, il est proposé d'accepter la cession du puits PP 2013-01 situé sur le lot 3 857 755 du cadastre du Québec et d'en aviser le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer tous les documents requis afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 3.6. Adoption du règlement numéro 600-2022-14. Modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur la contribution aux fins de parc de terrain de jeu et d'espaces naturels. Considérant que l'avis de motion avait été donné le 9 août dernier par Mme Gravel, considérant l'adoption du projet de règlement le 9 août dernier, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique un petit peu plus tôt aujourd'hui à 17h, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 600-2022-14, modifiant le règlement de lotissement numéro 600 tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur la contribution fin de parc de terrain de jeu et d'espace naturel. Monsieur Laurent Taillefer, voulez-vous la prise 2 de l'explication de ce règlement, étant donné que vous n'étiez pas satisfait de votre première performance? En fait, je peux le dire, il y a 3 articles dans ce règlement-là. Un des articles vient de spécifier la façon dont on calcule les frais de parc pour des petites superficies de terrain. Donc, évidemment, il va y avoir un processus automatique où quand le terrain est trop petit, on n'ira pas chercher 10% là, en frais de parc. Là. On va le prendre automatiquement en argent. On vient aussi déterminer les lieux ciblés pour les secteurs centraux. C'est la carte qui est derrière moi, là, les encadrés rouge-vin ou en mauve. Et aussi, on vient déterminer les procédures pour les frais de parc. Ouais, c'est ça, applicable à des petites superficies. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bon, ça résume essentiellement le règlement. Exactement. Puis il est disponible en ligne, tu sais, si vous voulez les détails. Donc, on l'avait expliqué aussi le mois dernier, puis ça a été fait en consultation un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est disponible en archive, évidemment, sur la page Facebook de la Ville, là, l'explication qui a été donnée par M. le greffier. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption, s'il vous plaît? Valérie Gravel, je vais le proposer. Madame Gravel. 3.7, adoption du règlement numéro 3001-2022-21, modifiant le règlement de zonage numéro 3001. Tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur la contribution aux fins de parc de terrain de jeu d'espace naturel, considérant que l'avis de motion avait été donné par M. Urbain cette fois-ci, le 9 août dernier, considérant l'adoption du projet de règlement aussi le 9 août 2022, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique qui était la même que celle un petit peu plus tôt, donc c'était 2 changements réglementaires, ça a été tenu à 17h aujourd'hui, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et même, je dirais, depuis le mois dernier. Puisqu'il n'y a pas eu de modification, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2022-21, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de modifier les dispositions sur la contribution aux fins de parc de terrain de jeu et d'espace naturel. Donc, ça vient, ce règlement-là contient aussi, pardonnez-moi, 3 articles. C'est beaucoup les définitions qui est liées au secteur centraux. Donc, on vient vraiment définir pour qu'il y ait une clarté dans ce que ça représente. Et il y a l'ajout aussi des articles définissant les conditions applicables au secteur centraux, puis dans une perspective où on vient, où ça s'applique, comment ça s'applique, puis pourquoi ça s'applique. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Laurent Taillefer? Non. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derèche, je vais proposer. Merci, Mme Derèche. Ce règlement-là est aussi disponible en ligne là, à la section Projet de règlement, si je ne m'abuse, en urbanisme.
3.8, adoption du règlement numéro 3003-2022-07, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis et certificat tel qu'amendé. Donc, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 12 juillet 2022 par Mme Gravel. Considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance pour consultation, il est proposé d'adopter le règlement 3003-2022-07, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis et certificat tel qu'amendé. Donc, ça vient spécifier les travaux et usages non conformes et ça suit finalement, ça vient clarifier les conséquences d'un jugement que la Ville a subi en cour municipale. On vient spécifier que ce n'est pas parce qu'il y a une construction sans permis que la construction peut être tolérée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voulez clarifier, M. Laurent Taillefer? Enfin, on vient, dans le fond, quand on construit sans permis, pour donner un constat d'infraction, il faut vous prendre sur le fait de construire sans permis. Une fois que c'est construit puis que le délai de prescription pénale est écoulé, je ne peux plus vous poursuivre d'une construction sans permis parce que ce n'est pas une infraction qu'on dit continue. Donc, avec la modification qu'on fait ici, on vient en faire une infraction continue. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une plainte des voisins, le cabanon empiète chez le voisin. Exact. Puis là, on peut émettre un constat d'infraction pour construction sans permis, par exemple. Et puis là, avec cet article-là, on va pouvoir émettre un constat, puis on va pouvoir peut-être gagner à la cour. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je serais proposée. Merci, Mme Gravel. 3.9, session au fin de parc, terrain-jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2022-120, création des lots 6,498,586 à 6,498,662 du Canada du Québec, domaine des Faucons, phase 2, 92-61-12-43, Québec incorporé. Constant que le promoteur du projet domiciliaire Domaine des Faucons, phase 2, a déposé le 1er septembre 2022 une demande de permis de lotissement numéro 2022-120 afin de procéder à la création des lots 6,498,586 à 6,498,662 du Canada du Québec, fait à partir des lots 2,017,209, 2,017,211, 2,017,215 à 2,017,219, 2,017,221, 5,283, 349, 5,331,268 et 5,331,271 du cadastre du Québec, tel que montré sur le plan d'opération cadastrale préparé par Mathieu Vanant, Sarpenteur Géomètre, en date du 9 février 2022, sous la minute 50-35, dossier 8240-7. Considérant que ce projet d'opération cadastrale vise la création de 77 lots, dont 3 lots pour les rues, 73 lots pour la construction d'habitations et un lot résiduel, je tiens à vous rappeler que ce projet était dans les dossiers de la Ville depuis 2013. Considérant que selon les dispositions de l'article 24 du règlement de lotissement numéro 600 de la Ville de Saint-Colomban en vigueur au 22 août 2013, le conseil municipal doit se prononcer quant à la cession aux fins de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel exigé en vertu de ce règlement. Considérant que la contribution exigée en vertu du règlement précité est fixée à 10 % de la superficie du terrain assujettie à cette cession, comprise dans le plan et située dans un endroit qui, de l'avis du conseil, convient à l'établissement de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels ou de verser une somme d'argent équivalent à 7,5 % de la valeur de l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale ou une combinaison de deux. Considérant que le conseil municipal exige une contribution de 10 % en terrain, considérant que la superficie assujettie de la phase 2 est de 296,471 m2, considérant que la contribution exigée est de 29,647,1 m2, considérant que le lot 6,498,569 d'une superficie de 188,179,2 m2 est un résidu à l'opération cadastrale et que l'article 48 du règlement de lotissement numéro 600 en vigueur au 22 août 2013 prévoit que le résidu du lot en attente de développement est réputé conforme et n'est pas assujetti aux normes de lotissement ainsi qu'à la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel du présent règlement à condition que le propriétaire s'engage à fournir la contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel si une cession ou versement n'a pas été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant le même terrain ou une partie du terrain. En conséquence, le conseil, il est proposé d'exiger à titre de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel dans le cadre du permis de lotissement 2022-120, les lots projetés suivants du cadastre du Québec. Donc, voici les lots qui ont été ciblés
qui est proposé en résolution pour le conseil municipal. Ça, je tiens à vous souligner, ce projet-là, là, c'est issu d'un jugement de la Cour supérieure. Donc, la Ville avait contesté la légitimité de ce projet-là. Il y a un juge de la Cour supérieure qui a dit que cette phase-là était conforme et que la Ville n'avait pas le choix de procéder. Ceci dit, il y a eu d'autres phases qui ont les droits n'ont pas été reconnus. Donc, ça, c'est la phase 2 quand on faisait référence à 77 lots, là, mais c'est 73 lots plus 3 lots de rue. Vous les voyez, là, les lots de rue 1, 2 et 3 en haut. Donc, en jaune, c'est ce que le conseil se propose de prendre en frais de parc et terrain de jeu. Et c'est ce qui est soumis au vote. Là, ils sont identifiés par des numéros de lots et des superficies. Donc, il va rester un résiduel, là, que la différence de 969 mètres carrés, qui représente 0,32%, qui ne pouvait pas être affecté, là, étant donné que les lots sont déjà divisés. Doit être acquitté en argent, soit un montant de 26 075,57 $, basé sur le rapport d'évaluation de Jean-François Gilbert, évaluateur agréé, daté du 15 février 2022, dossier M22-015. Donc, est-ce que quelqu'un propose, s'il vous plaît? Daniel Derèche, je vais proposer. Merci, Mme Derèche. 4.1. Adoption du règlement numéro 4001-2022-15, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de modifier les annexes A, F et K. Donc, ça concerne trois rues principalement, Montée de la Carrière, le chemin Laroche et la rue Kenna. Considérant l'avis de motion qui avait été donné encore une fois par Mme Gravel le 9 août dernier, considérant l'ajout d'une disposition au projet de règlement afin de corriger une formulation de phrase à l'annexe K, considérant que cette modification ne change pas la nature du règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public dès le début de la séance pour consultation, il est proposé d'adopter le règlement numéro 4001-2022-15, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement, tel qu'amendé, afin de modifier les annexes A, F et K. Donc, il y a une proposition de sens unique maintenant sur Kenna. Hein, il y avait la sortie ou l'entrée là, en bas de la côte, là, il y a eu beaucoup d'accidents dans le passé. Donc, ça va être un sens unique pour limiter l'action qui se passe là. Et on va bénéficier d'une sortie ou d'une entrée. Là, je ne me rappelle pas c'est quoi les chemins, là, mais ça, c'est identifié ici, là, direction nord, coin de la première avenue du lac Capri, rue Kenna, côté ouest. Donc, il va y avoir les deux voies. Là, ça, puis là, on va afficher quand même des pancartes, là, parce que c'est quand même un grand changement dans ce secteur-là. Là. Il y a des gens qui habitent là depuis longtemps. Fait qu'on sait qu'il y a des habitudes qui se sont prises. Qu'on a quand même un bon travail d'affichage à faire pour changer les habitudes, mais on le fait parce qu'on a l'espace et on sent que c'est plus sécuritaire. Là. Ça avait été analysé notamment au comité de la sécurité des collectivités. Avec ça, évidemment, il y a des ajouts. Pardon? Travaux publics. Et avec ça, évidemment, il y a des ajouts là, qui vont être faits sur la rue Kenna en matière d'arrêt obligatoire. Donc, c'est en lien avec le sens unique parce qu'on veut éviter qu'il y ait des face-à-face ou des collisions. Fait qu'on veut débuter l'implantation avec des arrêts obligatoires pour que tout le monde ait le temps de vérifier les changements et les sens uniques. Puis les sens uniques, si je ne m'abuse, là, on n'en a qu'un seul et c'est sur la rue Laurent. Au coin de Saint-Nicolas, justement encore parce qu'il y avait un problème de visibilité. Du Liège. Du Liège, c'est pas Laurent? Du Liège. Du Liège, merci de me corriger. C'est vrai? Oui. Du Liège et uniquement une entrée. Je vous fais confiance, mais je doute quand même. Mais c'est dans le même secteur. C'est dans le même secteur. Donc, on réduit aussi la vitesse sur la montée de la carrière à l'entrée. De la montée de la carrière, étant donné que c'est une voie, comme j'avais dit le mois passé, qui est digne du Vieux-Port du Québec, du quartier du Vieux-Port à Québec. Donc, avec des propriétés très près, puis il y a des problèmes de vitesse, là, il y a eu beaucoup de changements dans la population, fait que c'est un 20 km/h. Je pense pas que ça va faire une différence là, en matière d'affichage et tout ça, mais c'est un secteur qui est assez névralgique. Puis c'est très mince, là, même avec le déneigement l'hiver, l'été aussi. Ça, c'était une requête là, qui était venue de la population, des gens qui habitaient sur Montée de la Carrière. Donc, ça nous fait plaisir d'y répondre. Et on vient aussi réduire la vitesse sur le chemin Laroche à 30 km/h là, de Gore jusqu'à la montée Brisebois. Est-ce que quelqu'un propose? S'il vous plaît. Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 4.2, adoption du guide méthodologique pour contrer l'herbe à poux. Donc, il y a une volonté d'adopter le guide, ça vient avec des subventions. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci. 4.3,
Octroi de contrat, pavage de courte section de rue, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le pavage des sections de rue, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 1er septembre 2022. Donc, les montants varient entre 171 840 et 255 500. Vous avez, est-ce qu'on a le tableau? Oui, merci beaucoup. Donc, il y a le GD, pavage Jérômien, pavage Multipro, les entrepreneurs Bucaro Incorporé, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise à l'EGD Incorporé, ce conformément à leur soumission datée du 31 août 2022, montant de 171 840 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement à règlement d'emprunt numéro 2028, code budgétaire 22-364-711, projet 2022-09. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Derèche, je vais proposer. Merci, Mme Derèche. 4.4, il y a eu de l'hésitation à gauche. Il y a des... Vous avez été dépassé par la droite. Non, du tout. 4.4, octroi de contrat, acquisition d'afficheurs de vitesse, qui est une bonne nouvelle. TPSP 2022-63, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'afficheurs de vitesse, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 6 septembre 2022, à des prix qui étaient moins chers qu'estimés aussi. Donc, ça varie de 71 880 à 87 240. Vous avez le tableau derrière moi. 5 réceptions de prix. JMJ Tech, Signalisation Qualitech Incorporée, Trafic Logics Corp, Corporation, Signal Service Incorporée, Trafic Innovation Incorporée. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise JMJ Tech et ce conformément à leur soumission datée du 6 septembre 2022, montant de 71 880 excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement subvention PAFFSR, donc programme d'acquisition sécurité routière, fonds de fonctionnement, il manque les F, j'ai oublié, pas grave, sécurité routière, SR, sécurité routière. Au code budgétaire 22-300-00725, projet 2022-97, donc il va y avoir 4 semaines de livraison, on achète 24 radars, donc c'est des radars... C'est souvent des pouces, c'est des sourires, c'est des afficheurs de vitesse. Donc, on en avait 2. Donc, on passe de 2 à 26. Évidemment, c'est subventionné à 100 % Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Merci beaucoup. Donc, on passe de 2 à 26. Un des souhaits du conseil, puis ça, pourquoi on s'est engagé, là, c'était de diversifier les moyens pour réguler la vitesse dans les secteurs résidentiels et sur notre réseau routier. Évidemment, depuis notre arrivée, on a fait beaucoup de bosses de ralentissement permanente. On a augmenté le nombre de bollards dans les rues. On vient de négocier l'entente avec le service de police. On a une très, très belle entente avec le directeur. Le directeur a le service aussi. Donc, tu sais, il y a une collaboration. Là, l'ajout maintenant de 24 radars, ça va aussi nous aider en collecte de données, en sensibilisation, en prévention. Et on le sait que ça a un effet. Là, c'est pas scientifique, mais c'est aussi notre intention de commencer à développer des arguments scientifiques sur l'impact du fonctionnement d'un radar sur une rue, par contre, par exemple. Ce qu'on a actuellement comme résultat, c'est que les gens vont réduire de 10 à 15 km/h leur vitesse quand il y a un radar en fonction. C'est quand même un outil important. Là, ça va être au comité de la sécurité des collectivités, si je ne m'abuse. Outil, à déterminer les critères d'application. Évidemment, c'est comme des bosses de ralentissement. Là, on ne mettra pas ça pour réguler des conflits entre voisins. On va prioritairement gérer ça autour des écoles primaires, autour des parcs, autour des secteurs où on sait qu'il y a déjà des problématiques. Mais on a maintenant quand même dans notre stratégie là, pour réguler la vitesse sur le territoire, ce qui est une bonne nouvelle, et c'était subventionné à 100 % qui était le résultat du travail d'un dépôt de subvention, qui c'est un montant budgétaire là, qui est octroyé par le ministère des Transports, qui est affecté à sécurité routière. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je propose. Moi aussi. Est-ce qu'on peut être deux? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle aussi aux travaux publics, puis qu'on... On veut que ça arrive. C'est assez unanime, je n'ai pas spécifié, mais c'est quatre semaines de délai de livraison. La commande va être envoyée, évidemment, demain là, avec la résolution. Donc, d'ici 4 semaines, on devrait recevoir ces outils-là. Moi. Moi. 4.5.
Octroi de contrat, Salement de fissure, programmation 2022. C'est un prix qui est réalisé de manière linéaire. Donc, on a fait un appel de prix. C'est bien ça, recherche de prix, oui. Trois entreprises, Environnement routier énergie, Lingmasca, Permaroute. On a eu deux prix, Lingmasca, Permaroute. Donc, c'était un budget fermé, c'était à 20 000 et c'est l'entreprise qui proposait plus de mètres pour 20 000 qui gagnait le contrat. Donc, Lingmasca proposait 14 028 mètres. Et tandis que Permaroute en proposait 11 596. Donc, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Lingmasca au coût de 17 395 excluant les taxes applicables, qui correspond à 20 000 et ce conformément à leur offre de prix datée du 31 août 2022, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-320-00629. Qui propose, s'il vous plaît? Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci, madame. 4.6, octroi de contrat, acquisition de 10 traverses piétonnes. Ça aussi, c'est un autre outil à notre disposition. Considérant que la ville désire faire l'acquisition de 10 traverses piétonnes, j'ai vraiment l'impression de passer d'une paroisse à une ville quand je fais des annonces comme ça. Considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Signal Service Incorporé, Signalisation Qualitech Incorporé, Trafic Innovation Incorporé, on a reçu deux prix. Trafic Innovation, Signalisation Qualitech, les montants 21 170, 31 250, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Trafic Innovation au coût de 21 170 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 30 août 2022, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement, subvention, programme d'aide, je ne me rappelle plus, fonds financiers, sécurité routière. C'est le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Merci beaucoup. Au code budgétaire 22-370-711, projet 2022-14, donc c'est un autre outil. Celle-ci, ça va être appliqué évidemment où il y a déjà des traverses piétonnières, donc autour des écoles évidemment, autour des endroits où notamment se trouvent des brigadiers actuellement et d'autres traverses sur le territoire. Évidemment, il y en a une pour chaque sens, là, fait qu'en faisant l'acquisition de 10, bien, ça nous permet d'intervenir à 5 endroits différents, donc c'est souvent des lumières là, qui viennent clignoter puis qui signalent la présence de piétons. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. Ça nous amène à point 8.1, période d'intervention. Donc, ça concerne tous les sujets d'intérêt public. Pour les gens dans la salle, vous vous présentez au lutrin. Vous vous nommez, vous nous indiquez la rue sur laquelle vous habitez. On ne veut pas connaître votre adresse, seulement l'endroit. Ça nous permet de nous localiser si c'est une demande très, très, très précise au niveau géographique. Vous posez la question au président de l'Assemblée. Si jamais vous voulez vous adresser à un membre du conseil, vous en faites mention et je lui demande d'intervenir. Sinon, nous vous écoutons avec grand bonheur. Joël Demey, rue des Gébleux, secteur 1, je pense. J'aurais aimé savoir si c'était possible de faire une étude de faisabilité d'un lien piétonnier ou cycliste entre la rue des Gébleux et la rue du Tour du Lac. Autour du lac Légaré. Il y avait, lorsque j'ai emménagé en 2020, un chemin qui était là et qui a été excavé, complètement détruit. Il y a maintenant un énorme fossé qui est impraticable. Et je me demande pourquoi, en fait, parce que actuellement, il n'y a plus possibilité de rejoindre à pied ou à vélo la jonction entre la rue des Gébleux et la rue du Tour du Lac Légaré. Je me demandais pourquoi. Oui, bien, historiquement, c'était une voie de contournement qui était liée aux travaux d'un pont sur la rue Tour du Lac, au lac Légaré, qui était fait par la MTQ. Donc, ça venait isoler une partie du secteur des gens qui habitaient au lac Légaré après le pont. Donc, on nous avait demandé de faire une voie de contournement, puis ça avait été payé, je pense, en grande partie par le MTQ, si je ne m'abuse. Parce que, bon, ils venaient isoler des gens. Mais une des conditions qui avait été déterminée avec le propriétaire, c'était la destruction de ce chemin-là, suivant les travaux. Parce qu'on avait une entente temporaire avec le propriétaire qui nous permettait d'accéder à son terrain puis de faire le lien entre Gébleux et Tour du Lac. Là, je comprends que votre demande, ce serait d'aller chercher une servitude, si c'était possible, pour permettre un lien piétonnier. C'est ça. Qui n'est pas une mauvaise idée, mais à la base, tu sais, c'est pas seulement dans notre cour. Il faudrait mesurer l'intention du propriétaire. Mais tu sais, ça demeure quand même pas une mauvaise idée.
C'est ça, parce qu'actuellement, il faut redescendre sur la côte Saint-Paul mm-hmm. pour aller de l'autre côté. Là, absolument. Ce qui fait que c'est un peu loin. Là. Absolument. Une question. Merci. Monsieur Urbain, je pense qu'il a pris ça en note, puis on va regarder. Là. Je ne me rappelle pas des clauses nécessairement qui avaient été établies avec le propriétaire à l'époque, puis il faudrait mesurer sa volonté. Là, de. Pardon? Je me rappelle pas. C'est ça? Mais on va valider, c'est une bonne idée. Ça permet de lier des secteurs, justement, qui, autrement, là, devraient faire un détour quand même assez important. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, je passerai immédiatement aux questions que nous avions reçues préalablement, là, qui concernaient les pistes cyclables. Questions exprimées par Mélodie Gingras et Rodolphe Cadet sur la rue de l'Oiselet. Donc, j'ai reçu quand même une bonne liste de questions, mais qui tournent tout autour des pistes cyclables. On les a découpées. J'espère que vous êtes à l'écoute de Mme Gingras. Sinon, ça nous fera plaisir d'isoler l'extrait et vous l'envoyer en réponse. Donc, c'était quand même beaucoup de questions. On l'a découpé en 6 parties. Fait que je vais vous lire intégralement la question et les éléments de réponse qu'on pourrait y ajouter. D'abord, y a-t-il toujours un projet de... Est-ce que vous voulez les lire, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Ça dynamiserait mes réponses, je crois. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. La première question est, y a-t-il toujours un projet de piste cyclable pour relier Saint-Colomban à Saint-Jérôme? Et si oui, quel est le statut actuel et l'échéancier prévu? Quel est le plus grand obstacle à ce projet? Donc, oui, hein, il y a un projet cyclable pour relier Saint-Colomban. Il y a différents volets à cette réponse-là. Je vais me concentrer d'abord sur l'intersection La Montagne-Saint-Nicolas. Les deux villes collaborent actuellement pour déterminer un plan d'attaque pour savoir comment modifier cette intersection-là. Puis nous, ça a été clair, je pense, lors de la rencontre, qu'on cherche à créer un lien entre la rue des Hirondelles et La Montagne. Là. C'est peut-être un segment de peut-être 70-80 mètres là, sur Saint-Nicolas. Dans une perspective où on sait qu'on va avoir à travailler sur Saint-Nicolas dans l'avenir, on va aller chercher une emprise qui va nous permettre de faire le lien entre des Hirondelles et La Montagne. Et La Montagne, il y a quand même une piste cyclable intéressante là, qui nous amène pratiquement sur le parc linéaire. Là. Si on suit La Montagne, on descend où il y a le Starbucks, Home Depot, puis tout ça. Là. Ensuite, on tombe sur J.B. Roland, puis on est capable d'accéder au parc linéaire. Donc, mais en matière de délai, là, ben, on dépend de la planification de deux villes. Puis là, actuellement, la ville de Saint-Jérôme est en train de réaliser des études, Mme Parent, si je ne m'abuse. C'était ça, un des derniers éléments de la rencontre. Réaliser des études parce qu'ils veulent mesurer vraiment c'est quoi leur débit de circulation pour être certain que les modifications qu'on va faire à cette intersection-là répondent aux besoins, chose qui n'avait pas été faite dans le passé. Nous, on avait déjà fait notre travail, si je ne m'abuse, en 2018, puis les données n'ont pas tant changé que ça parce qu'on le sait en fonction de la quantité de maisons qui se construisent dans ce secteur-là. Bien, normalement, c'est un 2,1, 2,2 véhicules par propriété qui se construit à Saint-Colomban, qu'on est capable d'ajuster nos calculs. Donc, le plus grand obstacle, c'est vraiment la planification de la circulation puis de coordonner les efforts des deux villes. Mais on a un comité de travail, puis ils se rencontrent régulièrement. Puis même, on était à Mirabel aujourd'hui pour la signature de l'entente de police, puis on leur a demandé s'ils étaient intéressés à y siéger, parce qu'avec l'arrivée de Mirabel en haut, évidemment, pas l'arrivée, mais le développement là, du dernier secteur de Mirabel en haut, ça va avoir un impact sur la circulation, puis on est mieux de travailler à 3-4-2 dans ce cas-là. L'autre volet de réponse, c'est qu'il y a de l'argent disponible actuellement au niveau des projets de pistes cyclables qui nous permet de créer des liens avec le parc linéaire. Puis il y a une intention assez forte au niveau de la MRC de lier les villes qui ne le sont pas encore cette colonne vertébrale là, qui traverse les Laurentides. Fait qu'on serait capable de financer à tout le moins nos idées là, à partir de ces fonds-là. L'autre réponse, c'est dans la volonté éventuelle de la Ville de Saint-Jérôme de prolonger la rue de Martigny. Bien, en prolongeant la rue de Martigny puis en développant ce secteur-là, on est capable d'avoir un lien beaucoup plus facile au niveau cyclable par la montée Filion. Là, après, nous, on va avoir un travail de planification à faire pour lier ça. Là. Ça ne sera pas facile, monter Filion. Là, pour ceux qui connaissent le secteur, les maisons sont très près de la rue. Puis d'aller chercher une emprise, ça pourrait être compliqué. Là-dessus, il n'y a pas de délai parce que nous, on va attendre que Saint-Jérôme, finalement, vienne à déterminer c'est quoi leur intention puis c'est quoi leur délai de réalisation de rue avant de fixer les nôtres parce qu'on veut éviter de faire des pistes cyclables qui amènent nulle part. Ça, c'est la première réponse, les réponses de la première question. Je vous amènerai à la deuxième, Mme Saint-Pierre-Desjardins, s'il vous plaît. La prochaine, quelle est la vision de Saint-Colomban sur le développement de pistes cyclables, sentiers multifonctionnels et sentiers de fat bike ou gravel? Avez-vous une affiliation avec Vélo Québec? Est-ce que la Ville a un intérêt par les formations offertes par cette organisation?
L'orientation principale, on l'a depuis 2017, là, c'est le carrefour cyclable Est-Ouest, Nord-Sud qui emprunte les lignes hydroélectriques. Donc, on a déjà fait un travail, puis ça, je réponds en même temps à une question qui va venir là, dans la façon dont Mme Gingras a construit ses questions. On a déjà fait 1,4 km, on a fait 350 mètres encore cet été, on est rendu au cours d'eau de Bonnybrook. Donc, notre vision, là, c'est vraiment d'exploiter les lignes hydroélectriques. On est toujours en discussion avec le club équestre Bonnybrook aussi pour varier l'utilisation de leurs sentiers en forêt. Historiquement, c'est utilisé seulement pour les chevaux. On pense qu'on est capable d'y jumeler le vélo de montagne ou le fat bike en forêt, puis de profiter des sentiers qui sont déjà existants au niveau équestre. Évidemment, dans les prochaines années, il va y avoir la construction de la rue de l'Accueil. Cette rue-là va être parallèle à la Côte-Saint-Paul et ça vient avec un sentier multifonctionnel pour nous permettre justement de favoriser l'accès au centre-ville autrement que de rouler sur la Côte-Saint-Paul, qui est quand même une aventure. Dans la prochaine année, on va avoir les travaux s'amplifier au niveau de la Côte-Saint-Patrick et Saint-Nicolas. Ça vient aussi avec un sentier. Donc, ça correspond aussi avec les sentiers du club équestre. Donc, on travaille là où on peut. Hein, ça, c'est bien, bien, bien important. Mais clairement, quand on vient faire des interventions sur les réseaux, tu sais, on pense maintenant à y réserver un espace ou à tout le moins à réfléchir au niveau du transport actif. On le voit sur la montée Saint-Nicolas actuellement. Là, il y a la réalisation d'un trottoir, puis il y a un sentier aussi qui va contourner l'intersection Saint-Nicolas-Filion, là, qui va aller rejoindre le sentier pour l'école. Évidemment, on travaille aussi avec nos rues existantes. Hein. On veut bâtir un réseau, puis on a un très, très grand travail en signalétique à faire. Donc, nous, on veut privilégier l'usage mixte des rues résidentielles. Si on roule 30 km/h dans les rues, bien, on pense que c'est assez sécuritaire pour des gens en vélo, parce que c'est un quartier résidentiel, il suffit de respecter le code de la route. Concernant Vélo Québec, on n'a pas d'historique de participation avec Vélo Québec, mais comme j'ai dit plus tôt, l'embauche de M. Bouffard au loisir, avec sa volonté là, de travailler les sentiers, il en a réalisé beaucoup dans le Nord. Il y a une expertise là-dedans qu'on veut développer, bien, qu'on veut, je dirais, profiter, exploiter, développer avec lui. Donc, ça sera sa pleine liberté de décider s'il veut travailler avec Vélo Québec puis s'il veut profiter des formations. Je sais qu'il en a déjà fait dans le passé, notamment avec Loisirs Laurentides, sur comment réaliser des sentiers, comment les construire de manière durable. Donc, ce sera à lui, là, finalement, à se doter des outils nécessaires pour réaliser les sentiers qu'on va demander. Mais je pense que, tu sais, si je regarde mes collègues autour de la table, là, il y a une volonté assez grande, là, de poursuivre le développement des sentiers multifonctionnels et surtout d'améliorer le transport actif, que ce soit piéton, cyclable sur le territoire, ça c'est clair. Troisième question. La prochaine, concernant le projet de piste cyclable sous la ligne électrique dans le coin de Bonnybrook, quel est le statut? Y a-t-il eu des avancées sur ce projet? Oui, donc comme j'ai dit, on a fait un 350 mètres résiduel cette année. Là, on est rendu au ruisseau Bonnybrook et le restant là, qui va nous amener à la rue du Golfe, bien, il va falloir négocier avec le propriétaire. Il y a un historique quand même avec ce propriétaire-là. Donc, ce sera à nous à déterminer jusqu'où on est prêt à aller là, pour poursuivre ce réseau-là. Mais c'est clair que nous, il est déterminé. Mais évidemment, on ne négociera pas à perte pour la ville de Saint-Colomban. Exactement. Donc, la question 4. Il y a une bande cyclable sur la rue La Jeunesse, mais ça ne débouche sur rien. Y aurait-il moyen de créer une bande cyclable sur la rue de Loiselet? C'est très passant, il y a beaucoup de familles qui se promènent dans ce coin. Oui, donc on a un peu hérité de la bande cyclable sur la rue La Jeunesse, là, qui n'est pas super conforme en matière de voies cyclables. Là. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est assez mince. C'est plus un secteur là, pour permettre de marcher. Puis c'est marqué, là, il y a des lignes, il y a du marquage. T'sais, c'est pas très large, on pourrait pas mettre deux vélos là, qui se croisent là. Je pense qu'il y aurait un accident. Donc, c'est pas quelque chose pour lequel on veut nécessairement prolonger parce qu'on sait que c'est pas fait, notamment dans les règles de l'art. Concernant la demande sur la rue de Loiselet, comme j'ai dit, on prône davantage un usage mixte puis un usage collaboratif de nos rues où c'est 30 km/h. Donc, on sait qu'on a un travail signalétique, mais c'est une volonté là, que les rues ne servent pas seulement aux voitures. Fait que de créer un espace, une bande cyclable le long de la rue, évidemment, si on voulait élargir l'emprise, ça a des coûts très, très, très importants. Si ce n'est pas d'aller chercher davantage de terrain, bien, il faut faire de la canalisation de fossés. On le fait dans le secteur du lac Rinfret, là, pour la distance que ça a fait entre la rue Emerald et l'école. Là, ça a coûté 1,8 million. Fait que, à la base, ça finit par être une question de priorité.
Comme j'ai dit précédemment dans la séance, on est très, très, très en retard sur le réseau routier. On a des travaux importants à faire pour mettre à jour ce réseau-là pour une population de 18 000 personnes. Si on commence à faire des accès puis à faire de la canalisation de fossés dans des secteurs seulement pour des vélos, ce serait pas très, très avisé financièrement. Ce serait pas de s'occuper il y a des choses plus importantes à régler qui créent des problématiques sécuritaires plus grandes actuellement que de canaliser des fossés. Je le répète, une rue à 30 km/h, je pense que ça cohabite bien avec des gens en vélo. Là. Évidemment, il faut quand même être très, très, très prudent, là, à la fois pour les automobilistes, à la fois pour les cyclistes. Mais la cohabitation est possible. Puis c'est vers quoi on veut aller, là, surtout. On le sait toutefois dans ce secteur-là, là, évidemment, il y a la réalisation du projet Cholette qui est aussi un héritage de 2013, mais il va y avoir une consolidation du réseau routier. Donc, éventuellement, tu sais, il y a des droits acquis pour développer quelque chose parallèlement à la rue des Selles dans ce secteur-là. Puis ça va nous permettre finalement là, de venir brancher des rues qui aujourd'hui sont des cul-de-sac. Fait que ça va nous permettre une meilleure cohésion, puis un meilleur, tu sais, ça va être plus facile de se créer des circuits là, routiers ou des circuits en vélo là, accessibles pour les familles. Ça, on mise là-dessus. Puis dans la mesure où on fait de nouvelles rues, bien, on les fait bien. On veut réserver de l'espace, on s'en va chercher des servitudes. On prévoit dans les travaux qu'il y ait des sentiers sécuritaires pour les gens. Fait que on est beaucoup en planification. Évidemment, des fois, on essaie de corriger les erreurs du passé. C'est ce qu'on fait sur Saint-Nicolas. Mais les erreurs qu'on veut corriger, souvent, ils vont être sur de l'Église, Saint-Paul, Saint-Nicolas, Filion, Rivière-du-Nord, donc les routes principales. Rentrer dans les rues résidentielles, ce serait très, très, très lourd financièrement. Question 5, s'il vous plaît. Nous avons vu que le réseau routier était une des priorités principales de la Ville pour l'année prochaine et nous espérons très fortement que cela inclut une place importante pour les cyclistes et un aménagement sécuritaire en conséquence. Est-ce le cas? Bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé... trois sections de travaux, là. Évidemment, Saint-Nicolas, ce qu'on fait présentement. Il y a Saint-Patrick qui va avoir un sentier et il y a la rue de l'Accueil là, qui va servir d'alternative à Saint-Paul. Donc ça, c'est trois exemples concrets là, pour lesquels les transports actifs sont considérés. Donc je ne peux pas être plus précis que ça. Et certainement, quand on fait des travaux, moi, je vais vous référer à l'adoption du PTI que nous avons. Ça a été adopté en juin ou juillet, je me rappelle, peu importe, là. Ça se trouve assez facilement. Vous allez voir qu'à terme, là, on cherche à aller acquérir des emprises au niveau de Saint-Paul, Saint-Nicolas, pour se donner de l'espace, justement, pour pouvoir prendre des décisions en ce sens-là. Mais si on ne possède pas le terrain, on ne peut pas commencer à travailler. Puis c'est la direction que le conseil municipal a décidé de prendre pour les prochaines années. C'est une planification à long terme, évidemment. Mais quand on a des projets concrets à faire, comme je l'ai nommé précédemment, c'est certain que le transport actif, le vélo, est considéré. La dernière question, existe-t-il déjà un comité qui se penche sur les infrastructures cyclables et les façons d'améliorer le réseau? Sinon, comment procédez-vous pour ces décisions? Y a-t-il une façon de s'impliquer de façon bénévole? Évidemment, avec l'arrivée de M. Bouffard au loisir, ça va donner une nouvelle direction. On a très, très hâte qu'il amène ses compétences à travers ça. Il existe deux comités administratifs qui sont concernés. Là, peut-être trois, là, on pourrait parler des loisirs aussi, mais il y a le comité des travaux publics, il y a le comité de la sécurité des collectivités qui vont toucher un peu ce volet-là. Le comité des loisirs, donc s'il y a une planification des pistes cyclables beaucoup plus large, là, ce serait dans la cause du comité des loisirs. Fait que les comités existent, mais ce sont des comités administratifs où il n'y a pas nécessairement de citoyens. Mais toute la vision là, du développement des pistes cyclables, Est-Ouest, Nord-Sud, avec la capacité d'aller chercher des permissions de la part d'Hydro-Québec, là, ça a déjà été fait, notamment pour la ligne hydroélectrique qui est de Rivière-du-Nord à Saint-Paul. Il va nous rester à aller chercher les permissions pour celle qui longe Saint-Paul, donc qui est parallèle. On veut se concentrer vraiment actuellement sur celle qui est entre Rivière-du-Nord et Saint-Paul, pour laquelle nous avons travaillé. Ceci dit, dans le cadre de l'entrevue avec M. Bouffard, on a quand même une grande volonté aussi puis une réflexion à faire sur l'implication bénévole au sein de la Ville. Puis ça va faire partie des réflexions. L'idée, là, c'est de
on va arriver avec un... On veut travailler à déterminer c'est quoi les intérêts des gens à faire du bénévolat auprès de la ville de Saint-Colomban. Donc, s'il y a une intention là, de travailler pour réfléchir, soit un comité de vigilance pour les sentiers, soit un comité d'entretien, ce sont des choses qui se font dans le Nord. Je sais que M. Bouffard a travaillé en ce sens-là un peu plus au Nord. Puis c'est vraiment une volonté de développer ça. Ceci dit, on a beaucoup de choses à faire. Puis ce sera à nous à déterminer si c'est prioritaire. Mais minimalement, on veut en réaliser. On pense qu'on a les outils. Puis on a embauché là, quelqu'un là, qui a des compétences là-dedans. Puis ça va nous faire du bien à cet effet-là. Voilà, il y avait une conclusion, mais je n'avais pas déterminé de question là-dedans. Fait que... Voilà, bien merci. Merci, Madame. Madame Gingras. Oui, je sais. Oui, je voulais conclure avec Mme Gingras parce que c'était quand même tout un exercice de questions. Là. On sentait la volonté de vouloir développer les pistes cyclables et l'importance du vélo sur le territoire. On la partage. On vous remercie pour vos questions. J'espère que les réponses aussi ont pu satisfaire votre volonté à en obtenir. La prochaine question de Charles-Étienne Gervais, rue de Liège. Bonjour, il y a quelques semaines, j'ai appelé à la ville au sujet de la signalisation de ma rue. Présentement, il n'y a aucune limite de vitesse indiquée. J'aimerais savoir s'il est possible d'installer des limites de vitesse pour contrôler la vitesse des automobilistes et augmenter la sécurité du voisinage, mais surtout celle des enfants qui peuvent faire du vélo dans la rue. Merci. Bien, évidemment, la rue Liège, si vous êtes dans la nouvelle section, là, il va falloir clarifier c'est quoi les responsabilités du promoteur, responsabilités de la ville. Là. Je ne crois pas qu'elle est asphaltée encore. Donc, il y avait un protocole d'entente, il y a eu du mouvement là-dedans. Là, ceux qui étaient responsables de ce protocole-là sont disparus. Ça a été repris par quelqu'un d'autre. Fait qu'il va falloir défricher ça avant de pouvoir vous donner une réponse à votre satisfaction. Donc, s'il y a un problème de sécurité, je pense qu'on pourrait poser les gestes, là, mais on ne posera pas des gestes au bénéfice d'un promoteur qui ne veut pas nous payer. Est-ce que c'est une bonne réponse, Maître Parent? Je voulais ajouter que sur l'ensemble du territoire, dans les rues résidentielles, c'est 30 km/h d'emblée. Oui, exact. Cette rue-là ne bénéficie pas d'un privilège ou d'une contrainte différente. Quand c'est une rue résidentielle, c'est 30 km/h, mais on comprend qu'il n'y a pas d'affichage, puis on va voir dans quel cours ça repose. Et dans la mesure où c'est la responsabilité du promoteur, nous pouvons faire pression, nous pouvons poser des gestes, mais évidemment, on veut une garantie que la responsabilité financière soit sur les bonnes épaules. Ensuite, bonsoir, Catherine Groslot, rue du Havre. Serait-ce possible pour l'an prochain d'envisager planifier la soirée du sentier hanté le samedi soir précédant l'Halloween afin de ne pas avoir à choisir entre passer avec nos jeunes en famille ou aller au sentier hanté et rendre plus festif le week-end? Merci. C'est un débat qu'on entend depuis de nombreuses années. Là. J'entends des gens être d'accord au conseil. Je suis certain qu'il y en a d'autres qui préfèrent garder ça le 31. C'est une question digne de l'indépendance du Québec. Là. Il y a autant de oui que de non. Oui, je sais, mais ça va être considéré. Tu sais, j'ai envie de dire, on aime ça donner de l'autonomie auprès de nos services. Donc, il y a une question de disponibilité. C'est une activité qui demande beaucoup d'implication bénévole. Je pense que c'est une bonne idée, mais là, il faut voir qu'est-ce que ça demande aussi au niveau du service des loisirs. L'Halloween, ça, tu sais, je sais pas, là, ça va être un jugement personnel. Oui, hein? L'Halloween, c'est pas les... C'est ça, on va le consulter. Merci de prendre soin de mon rôle. Ensuite, rebonsoir, Catherine Groslot, rue du Havre. Prévoyez-vous reconduire ou reconclure l'entente avec le propriétaire du Golf Capri pour l'utilisation de leur site pour la période hivernale 2022-2023? Oui, bien, l'entente est encore bonne pour cette année. Et ce sera à nous à vouloir la renouveler puis à déterminer les conditions de renouvellement. Mais tu sais, jusqu'à présent, je pense que M. Arbic est satisfait, la ville aussi. Tu sais, on assume nos responsabilités, il connaît les siennes. Il y a quand même une très, très bonne entente entre Saint-Colomban et le Golf Capri, il n'y aurait pas de raison que ce soit renouvelé après 2022-2023 parce que l'entente est encore bonne cette année. Une autre question de Mme Groslot. Comment faire la demande pour avoir un panneau radar sur une rue particulière? Merci pour l'acquisition. C'est tout ça que qu'un des deux comités va déterminer. Là, on veut travailler un peu sur le même principe des bosses de ralentissement. Comme j'ai dit plus tôt, là, on les connaît déjà, nos rues problématiques, là, on le sait. Puis évidemment, là, on va fixer des débits là, qui demandent
L'application. Ben, j'imagine là, qu'on va fixer des débits, là, puis c'est à nous à déterminer le seuil de circulation qui va permettre l'installation de radars. Comme j'ai dit plus tôt, là, le radar, c'est pas pour régler un conflit de voisins puis de justifier des preuves. Là, c'est pour sensibiliser les gens à respecter une vitesse qui n'est pas respectée autrement. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Allez-y. Oui, en même temps, je vous invite à aller sur le site de la ville, sur l'application Voilà. Et faites la demande aussi à partir de là. Nous, on va relever ça à partir de l'application, puis on verra les priorités à ce moment-là. Mais j'invite les gens qui désirent avoir un panneau de signalisation de le faire vis-à-vis Voilà. Oui, ça peut être un excellent moyen. Comme ça, ça revient au comité de déterminer si la demande est justifiée ou pas en fonction des critères, puis tu sais à quel niveau la demande est priorisée par rapport aux autres, là, évidemment. La prochaine question de M. Larry O'Shaughnessy, rue du Bonnybrook. Peut-on avoir une mise à jour en ce qui concerne le futur du défunt golf Bonnybrook? J'ai été informé qu'en face de chez moi, côté ouest de la rue Bonnybrook, ce serait maintenant zoné résidentiel et l'orientation 10 ne s'appliquerait pas. De mon côté, il y aurait un zonage récréotouristique permettant un camping et ou un parc et possiblement autre usage. Pourquoi un tel zonage entre le 104 et le 110 Bonnybrook? De part et d'autre, des anciens trous numéro 10 et 18 du golf, deux propriétés résidentielles unifamiliales. S'il vous plaît, mettre au clair. Bien, je pense que ça a été mis au clair à de multiples reprises. Là, je comprends qu'il y a une demande précise actuellement. Je pense qu'une des réponses que je peux donner, c'est quand il y a une rue déjà construite, il y a une possibilité de faire du 4000 mètres si le chemin est déjà existant. C'est ça qui vient distinguer un peu la possibilité de faire des maisons sur le côté ouest du côté est. Donc, si jamais il y avait création de nouvelles rues, tout terrain qui est adjacent à une nouvelle rue doit être d'une superficie minimale de 40 000 mètres carrés. Donc, l'orientation 10 vient encadrer vraiment la création de nouvelles rues puis les terrains qui sont attachés à cette nouvelle rue-là. Pour des rues existantes, ça a toujours été, là, c'était des lots de 4 000 mètres. Ça n'a jamais changé. Je pense que, tu sais, on avait mis les choses au clair pendant tout le processus. Maintenant, le zonage récréotouristique, là, ben, les usages n'ont pas été modifiés à une échelle où on viendrait déformer les usages. Là. On a fait des modifications dernièrement, mais on venait plutôt jouer dans le C1, C2, non pas dans le C4. Donc, il y a quand même une liste d'usages. Ça aussi, ça a été dit depuis que je suis élu maire. Là, cette liste-là n'a jamais changé. Il peut avoir une récréathèque, il peut avoir un monde de ski, il peut avoir un centre de spa, il peut avoir un camping aussi. Mais tu sais, il y a des seuils de rentabilité quand même là, quand on vient développer des activités. Puis là, suivant ça, c'est au propriétaire finalement, soit à développer le projet ou à vendre. Là, on est rendu à des principes de transactions privées entre des individus, mais la réglementation elle n'a pas changé. Merci. Il n'y a pas tant de mise à jour que ça. Là. Nous, on n'a pas de nouvelles informations depuis un an et demi. Ouais. Merci. La prochaine question. Bonsoir, Sylvain Champagne, rue David. Concernant la voie de contournement par la rue David, nous avons constaté des bris puisque la chaussée est trop étroite pour camions lourds. Allez-vous faire une évaluation de l'état routier et vous engager à remettre bitume et accotement comme ils étaient avant les travaux? Ben, moi, je vous invite à faire des requêtes précises au service des travaux publics, là, notamment par le réseau, le système Voilà, là, qui est accessible par le site web de la ville. Là. Normalement, notre travail, c'est de remettre en état l'état des les routes. Là. Quand il y a des bris, quand il y a des nids de poules, le service des travaux publics fait des interventions. Mais évidemment, on vous demande d'être patient. Là, les travaux vont se terminer d'ici octobre. C'est bien ça que j'ai dit en début de séance. Là. Mi-octobre, troisième semaine d'octobre. Donc, suivant ça, on fera le tour puis on viendra réparer ce qui a été brisé si tel est le cas. Merci. La prochaine question de Mme Chantal Falardeau, rue David. Est-ce que l'on peut avoir un radar sur la rue David pendant les travaux car c'est vraiment infernal? C'est 4 semaines de délai, madame. Donc, on en a 2 sont déjà mis. Il y en a un sur Albert Raymond, il y en a un sur l'Alysée, je crois, Christiane. Donc, les 2 sont déjà utilisés. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moyens. Là. Il y a des bollards en zone centrale, il y a des cônes, il y a des arrêts, il y a des bosses de ralentissement sur Albert-Raymond. J'ai fait un appel au civisme, à l'altruisme, un peu plus tôt dans la séance. On ne peut pas
malheureusement remplacer chaque être humain derrière un volant. Notre travail, c'est de les sensibiliser. Je pense que le service des communications aussi a fait de nombreuses interventions et va continuer à en faire. On fait de nombreuses requêtes au service de police. Est-ce que j'entends, ils sont là. Si jamais vous vous rendez compte que ce sont toujours les mêmes qui font les excès de vitesse, ce qu'on demande souvent aux gens, c'est de contacter vos élus avec les données. Si vous avez les adresses, nous, les élus, ensuite, on prend ces données-là, on les transfère au service de police. Service de police. Ben oui, nous, les rapports, c'est qu'ils vont. Ben, moi, je viens du nom pour monter. Mais ça, vous viendrez faire une intervention, madame, parce que les gens, ils ne vous entendent pas en ligne. Fait que si jamais vous avez des questions, je vous inviterai à le faire tantôt, sans problème. C'est juste pour permettre, parce que les gens, ils m'entendent moi, mais ils ne vous entendent pas vous. Fait qu'il manque une partie de la conversation. Fait qu'à ce titre-là, tu sais, nous, on a, comme j'ai dit, on a quand même une très, très bonne relation avec le service de police, puis on le sait qu'ils se déplacent quand on fait des quand on leur demande, quand on fait des requêtes, puis on leur demande d'intervenir. La prochaine question. Bonjour, Jasmine Léger, chemin de la Rivière-du-Nord. Est-ce qu'un de ces radars sera posé sur la Rivière-du-Nord entre la Jeunesse et Berrioux, en parlant des nouveaux radars? Ça sera déterminé. Éventuellement, je vois M. Bélanger qui hoche la tête. Bien, je pense que c'est un secteur qu'on sait qui est névralgique. Là. Ça fait partie des rues principales, évidemment. Là. Je pense pas que personne va nier qu'il y a quand même un débit élevé sur Rivière-du-Nord, en tout cas pas moi. Ni M. Bélanger, ni n'importe qui habite sur le chemin Rivière-du-Nord. Madame peut en témoigner aussi. Donc, ce sera considéré. Là. Assurément, le chemin Rivière-du-Nord a plus de chances de voir une rue que la rue de la Roche-Pleureuse. Je pourrais ajouter... oui. Je peux-tu dire? Allez-y, madame. Dans le sens, pour identifier les gens qui conduisent vite, souvent, c'est les mêmes personnes, les mêmes voitures, les mêmes heures, les mêmes couleurs. Et tout ça. Si vous êtes en mesure d'être capable d'aviser vos conseillers, conseillères, avec le plus d'informations possible, ça va être fait sous l'anonymat, évidemment. Vous nous donnez ça, puis ça va nous faire plaisir de le donner au service de police. Puis, plus qu'on a de l'information, plus on peut agir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question, Geneviève Roy, Montéfilion. Merci, Mondo, s'il vous plaît, sur Filion, Saint-Paul, Saint-Nicolas, des radars, que ça finisse par respecter les arrêts et les enfants. Oui, on a bien entendu. Ensuite, bonjour, Valérie Thorne, rue du Havre. Vous avez fait le calcul des vitesses dans nos rues. Notre rue avait une moyenne de 43 km/h versus 30 km/h. Y avait-il une suite à cette intervention? Est-ce que les afficheurs de vitesse que vous parliez plus tôt? Aviez-vous d'autres plans, d'autres pistes de solutions? La vitesse est parfois terrible dans le haut de la rue. J'ai mal entendu la rue concernée. Du Havre. Du Havre, bien, tu sais, évidemment, s'il y a une requête spéciale à faire, là, je vais encore me tourner vers ma collègue, Mme Dorège, qui a référé les gens à voilà. Quand vous faites une requête, là c'est enregistré dans nos logiciels. Les élus reçoivent les requêtes qui sont rattachées à leur quartier. Les comités reçoivent les requêtes aussi. Il y a de l'analyse. Pour la rue du Havre, spécifiquement, dans les dernières années, il y a quand même eu l'implantation de 3 bosses de ralentissement, si je me rappelle bien. Puis là, tu sais, l'intention du conseil, c'était de multiplier les moyens d'intervention. Vous en avez vu 2 ce soir. Ça nous fait juste plus d'outils pour intervenir et être plus efficace dans la gestion de la circulation dans les rues résidentielles. Rebonsoir, Valérie Thorne, rue du Havre. Dans le même ordre d'idées que les pistes cyclables, est-ce qu'un jour il serait envisageable de faire un lien entre le secteur du Golfe Capri et la montée de l'église par une piste cyclable sur Saint-Paul? Ce serait merveilleux de se rendre en vélo aux festivités de la ville, mais on n'ose pas vu la vitesse sur Saint-Paul. Le secteur qui vous concernerait davantage, ce serait plus la rue Desjardins. Sinon, le Golfe Capri, on ne peut pas le transformer en claquant des doigts, évidemment. C'est un terrain privé. L'espoir, c'est que le terrain n'est pas développé. Fait que tant que ce n'est pas développé, il peut toujours être planifié. Puis le jour où un promoteur en fait l'acquisition puis veut transformer son usage puis vient faire des interventions sur le terrain, bien là, c'est là que la ville, souvent, a l'outil pour négocier puis planifier une requête comme la vôtre. Mais j'ai de la misère à imaginer. Là, on vient de faire des gros travaux, en plus, sur Saint-Paul, entre Kenna et... la rue du Lac-Légaré, notamment de canalisation parce qu'il y avait des inondations sur la première avenue du Lac-Capri. Ce serait dommage
de bousiller un peu ces travaux-là. Puis sincèrement, c'est la première fois, moi, que j'ai une requête de piste cyclable sur Saint-Paul dans ce secteur-là. Je pense qu'on a, on a plus d'espoir à travailler autrement dans ce secteur-là, un petit peu plus au sud que sur Saint-Paul. Ce que vous devez savoir, Saint-Paul, là, historiquement, l'emprise de la rue là, est pas même plus large que les sections asphaltées. Fait que là, quand on commence à cogner aux portes puis à aller chercher des emprises supplémentaires, bien là, c'est de l'expropriation, c'est de la négociation, puis ça peut tourner assez rapidement à une facture très, 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 très salée. J'aime mieux la proposition de M. Demain, là, qui propose de créer des liens derrière. Tu sais, là, la proposition, c'était Gébleu avec Tour du Lac, donc c'est un lien parallèle au nord de Saint-Paul qui est beaucoup plus sécuritaire pour tout le monde. Fait que est-ce qu'il y a moyen de le planifier à l'avenir pour une section sud qui longe Saint-Paul? Bien, ce sont des territoires qui ne sont pas développés actuellement. Puis le jour où il y aura projet, bien évidemment, on a la responsabilité d'y penser, puis le service d'urbanisme aussi. La prochaine question de Jessie Béliveau, Montéfilion. Radar, trottoir et ou bus de ralentissement font-ils partie d'un prochain projet afin d'assurer une plus grande sécurité pour nos cocos de se promener? Sur Montéfilion? Oui. Il n'y aura jamais de bus de ralentissement sur Montéfilion. Ceci dit, un radar, ça peut être envisagé. Puis j'ai oublié le trottoir. Mais le trottoir, il y a déjà une partie, là. Il y a un sentier qui est fait, là. Les travaux qui sont faits, notamment sur la première partie de Filion jusqu'à la rue du Châtelet. C'est bien cela? Oui, je pense que c'est du Châtelet. Notamment, il y a un sentier là. On intervient ou on planifie des travaux, évidemment. Il faut savoir que la liste des demandes est très grande et la liste des ressources est moins grande. C'est le principe de base en économie. La prochaine question. Salut Éric Loyer, rue Bastien, coin Robert. Les chemins sont l'enfer. Vous ne pouvez pas les arranger plus souvent, surtout après de fortes pluies. Merci beaucoup. Je vous invite à faire une requête sur le système Voilà et faire une demande précise sur quelle section de la rue Robert vous voulez faire. Vous voulez voir des travaux ou des modifications, des interventions du service des travaux publics. La prochaine question de M. Guillaume Pronovo, Montée de l'Église. Est-ce possible d'expliquer à nouveau la vision du conseil municipal concernant le développement de l'habitation, la protection des milieux humides et du couvert boisé dans le but de répondre aux enjeux actuels de l'augmentation de l'attractivité de Saint-Colomban? Bien, l'orientation 10, ce sont des objectifs d'aménagement qui sont influencés du plan métropolitain d'aménagement et de développement issu de la CMM. Je ne pense pas que le conseil municipal s'est opposé à l'application de ces orientations-là. Ça vient fixer un peu les besoins en développement jusqu'en 2030-2035. Les développements que vous voyez ouvrir actuellement dans les dernières semaines sont, tu sais, la moitié des cas, c'est des résultats de jugement ou de négociation avec des promoteurs pour des projets qui avaient été déposés avant 2013. Et l'autre moitié des projets qui s'ouvrent, ce sont des droits acquis qui ont été revendiqués avant l'application de l'orientation 10, c'est-à-dire en septembre 2018. Donc, outre ça, à chaque fois, comme j'ai dit tantôt, s'il y a une nouvelle rue, c'est accompagné de terrains de 40 000 m2. Ce qu'on veut encourager, mais c'est la consolidation des terrains vacants sur des rues déjà existantes. Parce qu'on dessert déjà un service, il y a du kilométrage de déneigement qui se fait, il y a du kilométrage de collecte qui se fait, puis on passe sur des terrains qui ne sont pas exploités nécessairement par des constructions résidentielles. Ça, c'est un peu l'intention de l'orientation 10, de dire on va consolider les terrains vacants déjà desservis par des chemins avant d'ouvrir de nouvelles rues. Moi, je pense pas que personne n'est contre ce principe-là ici. Là. C'est un principe qu'on défend depuis quand même assez très longtemps. Là. Personnellement, depuis, je dirais, 2010, là, depuis le début de mon implication citoyenne et politique à la ville de Saint-Colomban. Je pense que mes collègues autour de moi partagent cette vision-là. Donc, ça n'a pas changé. Là, maintenant, tu sais, à quel point on peut consolider les objectifs de conservation, les objectifs de milieu humide, on a un travail... tu sais, vous l'avez entendu ce soir, là, les gens ont des demandes, ont des besoins, on le sait qu'il y a une consolidation du réseau routier à faire. Quand on ouvre des chemins ou quand on permet des projets, même quand ils ont des droits acquis, la première question que le conseil municipal va se poser, c'est qu'est-ce que ça donne à la ville de Saint-Colomban? Est-ce que ce projet-là peut structurer un réseau actif? Est-ce que ça peut nous aider à consolider nos sentiers? C'est beaucoup comme ça qu'on va les réfléchir. Ça a été la même chose avec le projet
Oui, le projet intégré qu'on a présenté un petit peu plus tôt sur de l'église. C'est des projets qui ont le droit d'être construits parce qu'ils sont surmontés de l'église. C'est une rue qui est déjà existante. Mais pour pouvoir le faire, nous, la condition qu'on a imposée, c'est de dire, vous allez consolider la section où se trouvent les pistes de ski de fond sur votre territoire. Pour ça, pour nous, ça, c'est non négociable. Donc, si vous voulez construire, c'est votre plein droit. Mais si vous voulez le faire, vous devez vous engager à protéger ça. Donc, on vient vraiment, tu sais, réaliser ce pourquoi on s'est engagé en politique, c'est-à-dire travailler avec l'environnement dans lequel on vit et non pas lui tourner le dos. Parce que ce qu'il faut savoir à Saint-Colomban, la ville possède très peu de terrain. Là. Tous les territoires sont cadastrés et de propriété privée. Là, tu sais, tranquillement, on essaie de faire des acquisitions. Vous l'avez vu avec les frais de parc, on veut se bâtir un portefeuille de propriété qui va permettre d'avoir des options dans le futur pour la ville de Saint-Colomban. Historiquement, ce qui s'est fait, c'est qu'on recevait souvent des terrains qui étaient des milieux humides, sans dire des swamps. Tu sais, sinon, c'était des trous, c'était des terrains avec des caps, pas d'accès. Oui, vous en êtes témoin. Sinon, c'était des caps de rats, c'était des terrains qui étaient non praticables. Fait que les promoteurs, ils se débarrassaient des terrains qui n'étaient pas intéressants pour eux. Ça leur permettait d'assumer frais de parc. Mais à long terme, là, qu'est-ce que la ville vient chercher de ça? Absolument rien. Puis là, nous, on arrive en place, on reçoit des demandes, on veut des parcs dans tel et tel quartier. Puis c'est pas réalisable parce que les terrains ne sont pas praticables. On a des terrains qui sont cartographiés entièrement milieu humide. On ne veut pas les défaire. Mais en même temps, qu'est-ce que ça a donné à long terme pour la ville de Saint-Colomban de se faire donner une swamp? Rien. T'sais, on aurait pu profiter, on aurait pu avoir un espace beaucoup mieux structuré ou à tout le moins de l'argent qui nous permet de structurer des parcs puis de fournir les services et les besoins que la population le demande. Fait qu'on est toujours en rattrapage puis en même temps, on veut planifier quelque chose tout en respectant notre espace. Le principe de la réalisation du parc Gaffney-Kennedy il était exactement autour de ça. C'est-à-dire qu'on voulait implanter un terrain de baseball sur un secteur qui était déjà en grande partie déboisé. Certainement qu'il a fallu déboiser des sections, mais 85-80% du terrain était déjà déboisé. Donc, on vient ajouter un service sans nécessairement affecter l'environnement, la nature, la forêt qui est autour. Puis derrière le projet de cette acquisition-là, bien, on venait quand même chercher 55 000 mètres carrés, là, qui est près de 600 000 pieds carrés, en espace naturel, qui ensuite est la responsabilité du conseil de déterminer de laquelle façon on veut le développer. Fait qu'on travaille en faisant un mix d'augmentation de services. Donc, par exemple, terrain de baseball, là, on travaille à la possibilité de réaliser une piscine. On est en étude, combien ça coûte, que le plan fonctionnel, le programme fonctionnel et technique. Évidemment, ça ce sera avec subvention. Mais tu sais, comment on ajoute les services tout en l'intégrant à l'environnement pour qu'on puisse en faire profiter la population? C'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça qu'on va continuer à travailler et qu'on veut travailler. Allez-y, Mme Devège. Oui, en fait, au niveau du développement des maisons, des habitations, pour ce qui est des milieux humides et aussi du couvert forestier, c'est régi par des règlements qu'on a mis en place quand on est arrivé ici, exactement pour contrer les développements qui se font mal par des constructeurs, ces choses-là. Et c'est suivi par inspecteur. Fait que de ce côté-là, on est bien conscient qu'on veut pas de coupe à blanc et ces choses-là. Fait que oui, on travaille là-dessus, puis on est conscient que l'environnement, c'est important. Puis, tu sais, il y a des coupes qui vont se faire. Souvent, ils vont être en infraction au règlement. Tu sais, on peut pas contrôler ce que tout le monde fait le samedi, le vendredi ou le lundi matin. Souvent, on est avisé après le fait accompli. Puis ça, c'est très, 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 très frustrant pour un conseil qui travaille fort, mettre des règlements en place pour protéger notamment la canopée. Merci. La prochaine question de Mme Catherine Groslot, rue du Havre. Je propose aussi la piste cyclable sur Desjardins, d'autant plus que la rue Downing débouchera vers le nord et la connexion avec le nouveau parc de Balmol. Merci. Oui, d'accord. La prochaine... je vais peut-être bonifier, évidemment. Il y a une piste cyclable qui est prévue tout le long de John Ryan qui va se connecter à Desjardins, là, du nord au sud, par Rivière-du-Nord. Puis on le sait qu'on a un travail à faire aussi pour faciliter l'accès au parc Gaffney-Kennedy. Je vais vous inviter à consulter le programme triennal d'immobilisation. Il y a des données intéressantes là-dedans. Il y a la vision du conseil. On veut travailler sur le chemin Rivière-du-Nord aussi, parce que notamment il y a la rue Patriote, la rue du Boisé, John Ryan, il y a beaucoup de la rue du Sanctuaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés actuellement qui sont mal desservies en fonction du transport actif. Puis, on a un travail à faire sur la portion Rivière-du-Nord-Ouest là, pour sécuriser notamment tout l'accès au parc, mais aussi à l'école de la Volière. Bref, il faut travailler partout avec
Avec peu. Avec peu. Avec peu, oui. Ben, avec pas assez. Avec pas assez. La prochaine question. Bonjour, Stéphane Saint-Martin sur du Havre. Avons-nous accès au lac Lheureux pour y faire du kayak? Non. Il y a un terrain ville en bordure, mais pas aménagé. Il y a plusieurs lacs sur notre territoire, mais à moins que je me trompe, aucun n'est accessible aux citoyens. Il y a plusieurs accès à des plans d'eau qui sont accessibles. Tu sais, moi, je vous invite, si vous voulez faire du kayak, là, la ville de Mirabel vient d'aménager deux accès à la rivière du Nord qui sont ouverts à tous, là, sont magnifiques, là, notamment à partir du pont Canuta, à partir du pont Mackenzie. Comme j'ai dit plus tôt, on va entamer des discussions avec la ville de Mirabel pour trouver une façon de structurer ça, puis permettre aux deux villes de collaborer ensemble là-dedans. Le lac Lheureux, techniquement, il n'y a pas d'accès public là, qui vous permet d'y déposer un kayak. Ceci dit, vous pouvez toujours approcher des gens qui habitent là et qui pourraient vous permettre d'accéder au lac, mais ça, ça ne concerne pas la ville de Saint-Colomban. Il y a des accès au ruisseau Bonnybrook qui sont publics. On a quand même travaillé énormément au cours des années. Là, les accès ne sont pas publicisés beaucoup. Puis c'est beaucoup pour profiter des paysages plus que pour faire du sport. Vous pouvez aussi contacter l'Association citoyenne du lac Légaré, qui souvent va vendre des cartes de membres pour accéder au lac, s'ils le font encore. Ça leur appartient, c'est leur propre décision. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le lac Rinfraie aussi, qui permet un accès qui est tout assez simple. Qu'est-ce qu'il y a? Le lac Noël, c'est vrai, il y a un accès possible à même le Cap de Roche. C'est possible, mais c'est pas fait. Non, mais tu sais, les gens qui veulent déposer un kayak là, par la rue, ils peuvent le faire. Non, mais ça, demeure un terrain privé. La ville ne possède pas de terrain là-dessus. Fait qu'il faudrait que ce soit. Faudrait qu'il y ait une négociation. Faudrait que vous alliez au micro parce que les gens, comme vous n'êtes pas sur micro, non, je sais que c'est plate, mais c'est parce que M. Lalande vous répond, donc les gens qui sont sur le Facebook Live entendent les réponses, mais ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent parce qu'ils n'entendent pas vos questions. C'est juste pour ça. Alors, si vous allez au micro, là, les gens vont comprendre la question puis ils vont voir pourquoi le maire, il raconte n'importe quoi. Puis... oui, ben, oui, si tout vous... à fait. Merci, madame. Merci. C'est juste pour simplifier pour les gens qui sont en ligne. Merci. Donc, pour la réponse précise sur le lac Lheureux, ça ne dépend pas de nous. Il n'y a pas d'accès permis au public. Moi, je parlais du lac Noël. Quand j'étais, ça fait longtemps, là, c'était au moins, on va dire, 35 ans, c'est exactement le même paysage, même si c'est pire. Je n'ai pas besoin de vous dire que ça n'est même quasiment dangereux. Pire dans quel sens? Tu vois rien? Parce qu'il y a plus de plantes. Oui. Ouais. C'est pas coupé les arbres. Il y a ça. Parce que est-ce que vous pouvez vous nommer, madame, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que vous pouvez vous nommer? Ah oui, moi, je suis Lisette Ross. Je reste sur Rivière-du-Nord. Merci beaucoup, madame Ross. Donc, tu sais, évidemment, la définition du bien, du pire pour un lac, c'est toujours difficile à établir parce que pour les gens qui veulent y avoir accès, le pire, c'est qu'il y a des plantes. Pour les gens qui favorisent la biodiversité, le climat naturel, c'est que les plantes poussent puis que l'état naturel soit retrouvé auprès du lac. Évidemment, il y a eu un changement de culture là, dans les dernières années. T'sais, quand Saint-Colomban a été développé, puis a été, envié par la création de chalets, mais il y avait beaucoup plus d'activités sur les lacs qu'aujourd'hui. Puis ça a changé, puis on le voit sur les lacs aussi. Et puis, est-ce que vous avez eu des plaintes comme quoi que l'eau, les courants qu'il y a là, vous savez qu'avant, il y a déjà eu des noyades, là, hein? Mm-hmm. Hein? Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, mais il y en a déjà eu. Ça fait longtemps, mais c'est une question. Écoutez, je veux pas. Je veux pas que ça arrive, mais ça peut arriver encore. Mm-hmm. Mais... parce que il n'y a absolument rien qui dit. Si tu dépasses ça, là, tu tombes à pic. Hein, c'est très dangereux. Puis, où est-ce que c'est que le courant prend, là? Quelqu'un va passer en travers. Il va passer en dessous du pont, puis il va se noyer bien raide. Il va se faire assommer par les roches. Il n'y a pas de. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là, pas des bouteilles, mais des boulots, là, tu sais, qui dit que faut avertir les gens, parce qu'il y en a bien qui vont là, puis ils ne savent pas.
Mais il faut distinguer la responsabilité publique de la responsabilité privée. Dans le cas du lac Noël, le lac, à ce niveau-là, je ne crois pas qu'il soit la propriété de la ville. La ville a pris possession du terrain après le pont là, qui nous amène à peu près jusqu'à la rue Kaya, ouais. Si je ne m'abuse. Mais le lac en tant que tel, là, c'est un terrain privé. Donc, le propriétaire a une responsabilité. Puis, notamment, il y a des assurances qui viennent couvrir les risques. Parce qu'il n'y a aucune enseigne, rien comme quoi que c'est dangereux. Ou... Ça pourrait aller dans vos enseignes que vous parlez, là, du danger. Ça en est tout un. OK. On va le prendre en note, Mme Ross. OK. Puis, je peux-tu te parler d'autre chose? Bien sûr. OK. Les chemins. Rivière-du-Nord et Montée d'Église. Oui. Est-ce que vous avez eu des plaintes comme quoi qu'il y a des autos, ça roule en fou? Sur de l'Église, sur Rivière-du-Nord ou les deux? Rivière-du-Nord. Moi, je peux pas me mettre dans le chemin, puis... Je peux pas, là. Il roule dangereux. Je sais que c'est un homme, là. C'est un jeune. Mais c'est fou, là. Il n'y a pas de lumière. À un moment donné, il va arriver de quoi? Là. Puis, oubliez, la police n'est pas là. Puis, je peux vous dire, ça arrive à 11h30 soir. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, Mme Roche. Je connais très bien le secteur. Ben oui. Vous aviez sûrement eu des plaintes, certains. Et des accidents aussi. Oui. Oui. Ouais, vous n'avez pas à me sensibiliser du tout. Non, mais c'est parce qu'il se passe rien, là. Bien, c'est parce qu'en soi, oui, il y a de la surveillance policière. Oui, on a déjà eu des demandes pour poser des radars. Comme j'ai dit plus tôt, on en a deux. Actuellement, ils sont mobilisés par les voies de contournement de la montée Saint-Nicolas. Là, avec l'arrivée des 24 prochains, là, il va y avoir une réflexion sur où on les installe puis où on veut faire de la sensibilisation pour réduire la vitesse. Certainement, comme le secteur... La jeunesse rue des Faucons, là, le 30 km/h sur Rivière-du-Nord, on le sait que c'est un secteur névralgique. Là. On le sait que la police a fait le plein de constats d'infraction la semaine dernière, notamment à cet endroit-là. Mais ça, c'est à vous à faire des requêtes et à nous informer. Bien, là, votre conseillère, c'est soit Mme Gravel ou Mme Scriven, qui sont les deux dames à ma gauche, dépendamment où vous habitez sur Rivière-du-Nord. On fait des requêtes, nous, on les transmet au service de police. Mais, tu sais, on est au courant qu'il y a une problématique sur Rivière-du-Nord, là, je vous le... Et puis, le chemin, là, est-ce que ça appartient au gouvernement? La montée ça... de l'Église appartient au ministère des Transports du Québec. Ouais. Le chemin Rivière-du-Nord appartient à la ville de Saint-Colombin. OK. C'est ça. Mais là, ils se sont améliorés, je me suis aperçue, parce que juste en face de chez moi, là, il y a toujours un trou qui se fait, là, tout le temps. Ça, tout c'est de l'Église ou Rivière-du-Nord? Pardon? C'est sur de l'Église ou Rivière-du-Nord? Rivière-du-Nord. OK. Ça, c'est la ville qui s'est améliorée. Oui. Ah okay. Oh oui, je te dis que j'ai guette, j'ai voix, là, parce qu'ils me remplissent souvent. Parce mais qu'avant, êtes-vous au début, êtes-vous prêt de monter de l'Église ou un petit peu plus loin? Oui, bon. Je suis prêt de monter de l'Église. Parce que, tu sais, ce que vous devez savoir, c'est que nous, on est en attente du ministère des Transports du Québec qui nous promette la refonte de cette intersection-là ouais. Depuis 2008. C'est ça. Ça va faire 15 ans bientôt, en 2023. Okay. Il s'est engagé à travailler là-dessus. J'ai assisté personnellement à deux annonces officielles qui annonçaient les travaux pour des années passées. Ça n'a toujours pas été fait. Puis, quand ça va être refait, les travaux vont se faire jusqu'à Pérideau. C'est pour ça qu'actuellement, tu sais, la voie n'est pas fantastique. Parce qu'on attend vraiment les travaux d'ampleur. Il y a un réalignement de voie. Il y a beaucoup de travaux là, qui s'en vont là. On s'en va, tu sais, j'en ai pas parlé tantôt, mais on va faire un lien cyclable aussi entre Montée-d'Église et Pérideau pour venir attacher. Ça, tout c'est le quartier de l'autre côté, ça. Oui, tout le quartier de La Rochelle. Puis, Montée de l'Église dans la côte jusqu'à Saint-Canute, on vient élargir la voie pour permettre un lien cyclable beaucoup plus décent que ce qu'il y a là actuellement. Fait qu'on travaille aussi dans ce secteur-là. Puis, d'un nouveau développement qui s'est fait en arrière, là. Je ne sais pas lequel. Ils ont bâti des maisons, là. Cousineau. Oui, quartier de la Rivière. Bon. Il y a beaucoup d'autos, hein? Oui. On le savait. C'est ça, c'est des projets qui ont été autorisés en 2013. C'est fou, là. Ouais, j'étais conseiller municipal à l'époque, j'étais citoyen. J'ai posé ces questions-là. Êtes-vous conscient de la part en voiture que ça va générer? Bien, les autres, ça ne dérange pas. C'est pour de l'argent, voyons. Non, et c'est justement, c'est fou, là.
Bien, c'est ça que je voulais dire. Mais on vient réaligner l'intersection, on sait qu'il y a des problèmes, il y a des accidents, je pense, une fois par semaine, c'est pas plus que ça. Fait qu'on vient réaligner vers un feu de circulation. T'sais, j'ai dit plutôt on voulait travailler sur cette section-là, monter de la rivière du Nord aussi, côté ouest, vers ce quartier-là, pour que ça soit un petit peu plus fluide, plus sécuritaire, puis qu'il y ait un petit peu plus de mobilité. Il y en beaucoup a du travail. Trafic. Oh, il y a du trafic, puis il y a du travail à faire beaucoup. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci, Mme Ross. Bien sûr. Mme Ross, excusez-moi, je voulais juste vérifier, est-ce que vous êtes bien, c'est moi ici qui parle. En fait, vous êtes, je crois que vous êtes à l'ouest de la montée de l'église. Est-ce que c'est bien ça? Donc, du côté de l'école Lavalière? Oui. OK, donc c'est soit Mme Jessica Rabi-Beaulieu ou Mme Isabelle Lapointe ici, votre conseillère. OK. Okay. En tout, une chose est sûre, c'est une femme. Oui. Pourquoi? Ça ne dérangerait pas si ça serait un homme? Non, mais vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous viendrez me voir, Mme Ross, pour me donner votre adresse après la rencontre. Okay. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne, Mme Saint-Pierre-Desjardins? Oui, la prochaine de M. Charles-Étienne Gervais, rue du Liège, qui est dans le fond notre première question tantôt, qui dit « Merci de votre réponse et oui, je suis au courant du litige entre l'ancien promoteur. Je fais partie de la nouvelle section de la rue. » OK. Oui, c'est ça. On va déchinoiser ça un peu, là, puis sinon... Démandariner. Non, mais on va faire le ménage un peu. On va déterminer c'est quoi les responsabilités de la ville, les responsabilités du promoteur. Mais c'est, peu importe qui est la responsabilité, on va agir puis on va porter le message. On enchaîne avec Mathieu Létourneau, rue Albert-Raymond. J'ai manqué le début de la séance. J'aimerais savoir en quoi consistent les travaux sur Albert-Raymond. Est-ce une rue qui se construit, un nouveau quartier? Oui, c'est la fin du projet Cholette-Beauvin, là, qui était la poursuite. C'est la poursuite de la rue Séguin-Sylvie. Donc, il y a une connexion de route qui se fait là. C'est Séguin. Oui, c'est Séguin. Donc, ça va aller rejoindre le prolongement de Séguin. Fait que c'est une consolidation de réseau. C'est un projet qui avait été... qui était en recours juridique depuis 2014. On s'est entendu. C'est une belle entente. Là. On a travaillé très, très fort avec M. Cholette. Au départ, c'était un projet avec Aqueduc, donc ça aurait doublé le nombre de maisons construites sur le territoire avec Aqueduc. Donc, c'était des terrains de 1500 mètres carrés. Donc, on ne voulait absolument pas ça parce que c'était sûr que c'était un déboisement total de tout ce territoire-là. On a réduit ça à une trentaine de maisons au lieu de 60, 65, mais avec des terrains deux fois plus grands. Puis là, il a fallu négocier des clauses là, différentes là, en fonction de la réglementation qui était applicable à l'époque. Mais on a fait quand même un excellent travail, puis là, bien, on vient consolider des secteurs. Puis ça va permettre aux gens là, d'évacuer le quartier de manière un peu plus efficace puis donner plus d'options que de faire du... dans ce cas-là, là, c'est du nord-sud là, quand on veut sortir puis de se rabattre automatiquement sur Côte-Saint-Paul. Merci. La prochaine de Mme Deborah McCarthy, rue Stella. Comment justifiez-vous la coupe à blanc qu'il y a au bout de la rue Sylvie et parallèle à la rue Stella? C'est une rue. C'est pas plus compliqué. C'est le déboisement du cadastre de rue. La prochaine de M. Stéphane Saint-Martin sur du Havre. Pour info, le lot, et là, il nomme le numéro de lot, appartient à la ville au lac Lheureux depuis 2009, je crois. M. Lheureux l'a légué à la ville justement pour l'accès. Merci. Mm-hmm. Mais c'est pas un accès public. Le terrain a beau appartenir à la ville de Saint-Colomban, c'est pas un accès public, malheureusement. Ça fait le tour des questions, M. le maire. Merci, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle pour les gens qui voudraient s'exprimer, qui ne l'ont pas eu, ont pas profité de l'opportunité? Non, ça va. Est-ce que quelqu'un propose la clôture de la séance ce soir? Bien, je vais devancer Mme de Reich. Je vais proposer la clôture de la séance. Merci, Mme Wilson. Donc, je vous souhaite un excellent retour à la maison ce soir. Ne faites pas de cauchemars sur mon expression précédemment nommée. Je m'en excuse. Et on se revoit au mois d'octobre, deuxième mardi du mois. À bientôt, tout le monde. Merci beaucoup.